Salut tout le monde, comment ça va? Ah, mais je vois que vous êtes déjà à fond. Ça commence et ça y est, vous êtes à fond quoi. Donc là, il y a du monde en plus. Mais salut Chatonron, salut Vincent, salut Lady. Ah, vous êtes déjà au starting block. Salut Creed, salut Akira. Il y a plein de monde. Et donc, j'avais pas eu le temps de lancer mon lien. Déjà, vous étiez en train de discuter. Donc, salut Link Millie. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Seb. Alors, il y a TDHY, je te laisserai la suite du pseudo. Il y a Matojora, salut à toi. Mathilde qui devient une régulière des lives aussi. Et j'ai Primus, 6611, je ne me rappelle pas 6611 t'avoir déjà vu. Peut-être que j'ai oublié, mais en tout cas, bienvenue. Salut Boris, allez, 3 semaines. Oui, là, ça fait 3 semaines, puisqu'il y a des mois, des fois. C'est ma petite pause hein, de live. Puisque c'est 2 par mois, effectivement, 3 semaines, c'était très long. Boris était très déçu la semaine dernière quand il m'a posé la question. Donc voilà. Non, les poissons d'argent n'ont pas tout mangé. Rassurez-vous, je vais expliquer derrière. Oui, mais ben oui, Kira, c'est cool que tu sois là. Salut Tic-Tac. Oui, pile poil au début, on vient juste de commencer. Hop là, je vais bien calibrer la caméra. Oui, les bibliothèques sont vides. Hein. Là, vous le voyez, ça commence. Je vous avais parlé que j'allais déménager au mois de septembre. Et bien là, ça se concrétise, ça se confirme. Et donc, en fait, je suis en train de déménager. Mais je vous montrerai ça juste après. Donc voilà. Cool. Bon, en tout cas, vous êtes là, c'est cool. Ouais, ça change, hein, ça change un petit peu le décor. Là, pendant peut-être 2-3 lives, le décor va changer. Hein. Il va pas être complet. De toute façon, le décor changera, ça c'est sûr. Mais il va pas être complet là. Salut Toon, bienvenue. Ça fait plaisir que tu sois là. Est-ce qu'il y a tout le reste? Ou tu es juste tout seul, Toon? Toute la bande. Donc voilà. Pourquoi c'est vide derrière? Evil Boo, j'ai oublié Evil. Mais non, Evil. Je suis désolé. Bonjour, Evil. Voilà, je te dis un bonjour spécifique à toi. Si vous pouvez dire tous bonjour à Evil dans le chat, s'il vous plaît, Evil sera content. Allez, dites bonjour. Alors, je vais même te dire bonjour Evil dans le chat, regarde. Bonjour Evil dans le chat. Tu vois? Donc comme ça, c'est réparé. Ok? Donc ça, c'est bon. J'espère que j'ai oublié personne. Si, Zeno, j'ai pas dit bonjour. Voilà, mais en fait, vous avez carburé sur le chat, j'ai pas suivi, quoi. Ah, merci Toon. C'est bon. Alors oui, c'est vide. Je vous avais dit déjà, j'étais pas sûr de pouvoir maintenir. Il est parti. Salut Nico. Bienvenue à toi. C'est bon, il y a toujours Evil pour mettre l'ambiance, donc c'est bon. Donc, bon, si j'oublie quelqu'un, hein, m'en voulez pas. En tout cas, j'essaie chaque fois de vous saluer. Là, je vois qu'il y a donc Seb RTR qui est arrivé, qui est un nouveau Patreon. Donc, bienvenue à toi. Tu vois, Evil, là, tu as des bonjours. Hein. C'est bon. Hein. Donc du coup, je disais la dernière fois rapidement, en fait, c'est que j'allais déménager, mais je connaissais pas la date précise, etc. C'était encore trop tôt. Et là, ça y est, je suis censé déménager mi-septembre, parce que même si on est déjà le 7, voilà, c'est toujours compliqué avec les notaires. Mais j'ai commencé à préparer, comment dire, les sacs et compagnie, parce que ben, là, bon, j'ai tout emballé, j'ai passé mes derniers mois. Enfin, dernier mois, à chercher une maison, machin, tout ça, tout concrétiser. Et là, depuis un mois, on est en train de faire des cartons. Donc, on a fait toutes les affaires normales et compagnie. Et derrière, ben, j'ai commencé un petit peu les mangas. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des mangas? Eh bien, ça donne que j'ai déjà vidé ces trois-là, qu'on pouvait voir ici. Voilà, juste là. J'ai commencé à vider la Tezuka qui est ici au fond. Donc, ça fait à peu près 3,5 parce que les autres sont vraiment vite vides. Hein. Tezuka, elle est pleine jusqu'en bas. Et du coup, en fait, vous le voyez mal ici, mais j'ai tous les sacs ici. Donc, et en fait, j'ai pris des sacs parce que il y a beaucoup de sacs. Hein. Vous voyez, c'est profond en fait. Hein. Vous le voyez peut-être pas. Hop. Je voulais envoyer une photo à mes Patreons, puis j'ai zappé. Mais il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 rangées de sacs Kaba. Donc, voilà. Et j'ai fait que 3,5. Là, je ne sais pas combien il y a de sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6 x 4. 6 x 5, il y a 30 sacs, là.
Voilà, il y a 30 sacs pour la moitié de ma collection à peu près. Sachant que je les artbooks, les machins, tout ça, c'est dans les cartons au fond, là, je vous ai montré juste avant. Et voilà, donc et pourquoi j'ai mis ça dans des sacs? Parce qu'en fait, il faut trop de cartons. Et les sacs, c'est plus simple à... On met dedans, je transporte, je pourrais les vider sur place et les re-remplir ici, etc. Bref, je vais m'amuser. Si je reviens avec le corps de Thibaut InShape, voilà, vous savez ce que j'ai fait entre-temps. Donc voilà, donc le décor va être un petit peu plus léger. Alors je suis désolé pour la symétrie, hein, j'ai fait comme j'ai pu, mais et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je pourrai quand même maintenir les lives et on pourra finir la Mangatech numéro 6, là, parce qu'il manquait tout ça, pour le 21. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, je suis censé avoir Internet le 19 là-bas, donc ça devrait être bon. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a été quand même pas mal d'épreuves. Voilà, je lis un petit peu les commentaires que vous m'avez mis. En tout cas, vous avez tous dit bonjour à Evil, je vous remercie. Salut Dominique de Coco, un nouveau Patreon aussi. Et justement, on va revenir dessus, on en parlera tout à l'heure. Merci Tic Tac. Oui, ça perturbe, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, il y a tes sacs à toi et on m'en a donné encore plein. Donc du coup, c'est bon. Tu mets tout sur palette, et non, je mets pas tout sur palette, mais et ça aurait été pratique, hein, je te le dis. Seiji Musashi, je crois pas t'avoir dit bonjour, hein. Je crois que je t'ai loupé tout à l'heure, alors je te dis bonjour maintenant. Oui, eh bien, oui, le jour où vous allez déménager votre bibliothèque, c'est là que vous serez content un jour de vous dire finalement j'ai bien fait d'acheter du numérique des fois, parce que c'est ça un mois à déménager, je peux vous l'assurer. T'as mal au bras, m'a toujours avec de me voir. Donc voilà quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur de chaque sac, vous le verrez peut-être pas là, mais en fait, j'ai mis du papier bulle à l'intérieur pour protéger les livres et j'ai mis les livres dedans. Donc voilà, donc en fait, tous les sacs, si j'en prends un, celui-là, hop là, tous mes sacs, en fait, il y a du papier bulle dedans. Voilà, avec mes bouquins. Je me suis amusé à scotcher ça. Alors, je ne l'ai pas là, mais j'ai acheté un gros rouleau de papier bulle de 100 mètres. C'est trop drôle. C'est super rigolo. Donc, voilà. Non, non, je déménage un village plus loin. Donc, du coup, voilà, ça fera en même temps que les meubles. Ne t'inquiète pas, Vincent, ça va se faire, quoi. Non, t'inquiète pas, J. Primus, les Camuiden, voilà, ils sont là-bas. Je vais faire un sac spécial pour eux, pour bien les protéger. Il y a certains livres comme ça, comme les Tezuka Prestige, là, je les ai suremballés pour être tranquille, quoi. Donc, mais c'est gentil, hein, toutes ces propositions de me soulager de mes Camuiden à chaque fois. J'apprécie énormément le geste. Hein. Voilà, je tiens à le noter. Mais oui, ça va très bien, Akira. C'était des mois plus compliqués, c'est pour ça qu'il y a eu moins de vidéos classiques sur la chaîne parce que ben voilà j'étais sur ce projet-là et là maintenant ben, ça se concrétise etc. Donc j'espère bien que pour la fin de l'année je vais pouvoir me remettre à faire des vidéos sachant que il y a des vidéos qui sortent en septembre et ça je vais en parler juste après. Donc voilà c'est à cause de toutes les éditions de Tezuka oui mais je pense que je vais réorganiser différemment ma collection Tezuka quand j'aurai déménagé. Donc voilà. J'attends le giveaway sac surprise. Qu'est-ce que c'est ça, le giveaway? Je ne connais pas. Donne-moi plus d'infos, chaton rond. Ouais, les sacs, c'est plus simple. Hein. Pour les mangas, clairement. Hein, c'est clairement plus simple que les cartons. Les cartons, quand j'avais ma collection avant, il m'a fallu 100 cartons pour tout stocker, d'un peu toutes les tailles. Franchement, les sacs, c'est le mieux et limite le moins cher. Et encore là, j'ai tout récupéré. On m'a donné une trentaine de sacs. Donc j'étais super content. Mais on en reparlera quand j'aurai déménagé, si vous voulez. Voilà. Donc, je déménage entre les deux lives. Voilà, sachez-le. J'attends vraiment la confirmation, mais normalement, on devrait tout avoir cette semaine. Merci, Toon. Ah, j'ai tout fait pour maintenir les lives. J'ai tout fait pour être là, pour vous. Et puis c'est un moment que j'apprécie de passer avec vous à chaque fois, donc c'est très cool. Donc vraiment, voilà, j'ai vraiment fait en sorte parce que là, je déménage le week-end d'avant normalement et le mercredi, je fais un live avec vous. Hein. Donc vous voyez, ça va être une pièce vide. Hein. La prochaine live, je vous préviens, c'est une pièce vide. Hein. J'aurai pas le temps de mettre mes bibliothèques,
J'aurais pas eu le temps de repeindre la pièce en blanc, etc. Donc voilà. Mais je garderai les livres là qui sont là-haut. Yep, là-haut, passé à l'envers avec le doigt. Qui sont là-haut pour la Mangatech numéro 6. Je vais faire des sacs spéciaux que je vais mettre de côté pour qu'on puisse faire le live Mangatech. Voilà. Donc là, normalement, ça sera bon. Allez, je propose qu'on commence. Ça fait déjà 10 minutes que je parle là de mon futur déménagement. C'est bien, mais je ne pense pas que vous êtes venu pour ça. Salut Rude. Rude qui me fait ma pub du coup sur le Discord de Wazizabil. C'est merci à toi Rude parce que j'avais oublié de faire la promo et du coup il me l'a fait pour moi. C'était tout gentil. On va faire un live rangement. Mais peut-être, hey, c'est pas bête ça Mathilde. Peut-être que ça peut être rigolo. Une fois que mes bibliothèques sont en place, je les range et je vous montre au fur et à mesure. Ça va durer 100 ans ce live. Hein. Ça va être un live glandouille. Ça va être en live guindouille, mais je sais pas si ça sera très intéressant à regarder. Je vais réfléchir au concept. Je vais voir s'il y a un truc qu'on pourrait faire. Alors, là, on est sur le live habituel, début de mois. On va parler un peu des news, on va parler un peu du planning, on va parler des lectures. J'ai beaucoup de lectures parce que je me suis quand même pris 10 jours de vacances et pendant ces 10 jours, j'ai beaucoup lu. J'étais avec Max d'ailleurs, donc M-Mythos. Et pendant ces 10 jours, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Donc, du coup, il y a pas mal de lectures pour ce mois-ci. Et au début, il n'y avait pas beaucoup de news. Et finalement, il y a quand même quelques news pour le mois d'août. Alors, au niveau de la chaîne, pour faire un petit point sur la chaîne, là, ce mois-ci, vous allez avoir vos deux lives habituels entre les déménagements, hein, comme je te disais. Enfin, comme je vous disais. Et il y a eu donc une vidéo. Alors, attendez, hop, là, je vais partager mon écran. Voilà, donc il y a eu une vidéo qui était sur le l'artbook Dragon Ball. C'était une vidéo Patreon. Donc voilà, donc c'était un artbook que j'avais acheté au Japon en 2016 pour les 30 ans de Dragon Ball. Et c'était. Hop là. Voilà, et je montre un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a dans tout l'artbook, chaque page et compagnie, avec les dessins d'anniversaire hommage, notamment de Oda, de tous des grands noms comme ça. Du manga, donc c'était apprécié par les Patreons. Donc voilà, sachez qu'en tout cas il y a cette vidéo dessus et je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, là vous voyez comment dire, les autres auteurs qui ont rendu hommage. Donc il y a eu ça. Salut Julien, bienvenue à toi, un autre Patreon Julien. Donc voilà, donc et en plus ce mois-ci vous allez avoir deux vidéos, les deux fameuses vidéos que je voulais faire depuis longtemps, qui ont été écrites depuis 6 mois, mais que j'ai pas pu tourner avec justement la recherche de la maison et tout ça. Et bien, c'est deux nouvelles vidéos qui vont arriver sur la même thématique. Les Patreons ont déjà accès à la première vidéo, puisqu'elle arrivera mardi prochain pour tout le monde. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il y aura deux vidéos. Après, je n'en aurai pas d'autres en stock. Hein. Mais ça sera déjà ça. J'ai encore d'autres idées de vidéos sur le même sujet, mais j'ai d'autres priorités pour le moment. Donc pour l'instant, je me concentre sur les lives et j'ai pu sortir ces vidéos pendant l'été où c'était une période un petit peu plus calme au niveau du mois d'août. Donc du coup, c'est cool. Et je voulais aussi souhaiter donc du coup la bienvenue aux nouveaux sur les Patreons, puisque vous êtes nombreux à me suivre sur les lives, mais au niveau des Patreons, cet été, il y a quand même eu 9 nouveaux Patreons, ce qui n'est pas rien. Et c'est des Patreons, donc voilà, il y a eu Vincent, il y a eu Gekai, il y a eu Gabriel, il y a eu Brochette d'Agneau qui n'est pas là ce soir, il me l'a dit. Il y a Elil d'Or, il y a Dominique de Coco que j'ai vu tout à l'heure, il y a le Seb RTR que j'ai vu tout à l'heure, Julien qui est juste là dans le chat, il y a Mister 666 Skulls qui est là. Et juste à l'instant, j'ai une nouvelle personne qui est arrivée et qui s'appelle. Hop, j'ai oublié. Parce qu'il vient juste d'arriver, hein. Et qui s'appelle Claudio Gomme. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir rejoint la communauté Patreon, hein, puisque sur Patreon, je vous rappelle, vous pouvez donc, hop là, je vais vous montrer l'écran, voilà, vous pouvez soutenir la chaîne pour 1, 3, 5 euros, tout le monde a les mêmes bonus. C'est vraiment une formule soutien où je vous mets du contenu exclusif dessus. Je vous mets des sources quand il y en a. Je vous mets des petites photos là, du quotidien, etc. Donc voilà, et donc c'est plutôt cool.
Et c'est le prix d'un petit café par mois là pour et c'est pour toutes les bourses selon ceux qui veulent. Et sachant que voilà, si je mets les noms dans les vidéos, etc., là jusqu'au 15, je vais pouvoir mettre ça pour les vidéos de septembre. Après, ça sera pour les vidéos plus tard. Donc voilà, si vous prenez ça, en tout cas, n'hésitez pas à regarder et à comment dire à rejoindre la communauté. Ça aide la chaîne, ça aidera justement pour du matériel, pour les choses comme ça. Et donc, ça sera très cool. Mais merci, Akira, d'être passé. Et merci Seb pour le retour sur la vidéo. En tout cas, j'ai eu des bons retours des Patreons sur la vidéo, donc je suis très content. Voilà. Et après, au niveau donc du podcast, on est en train de préparer le prochain épisode, le podcast Bunko. On est en train de préparer le prochain épisode. Je ne dis pas plus. Je dis juste que c'est en cours. Donc voilà, j'ai pas encore de date à vous annoncer, rien du tout. Donc on est là. Voilà, et si vous voulez soutenir la chaîne, rappelez-vous, hein, vous avez plein de moyens. Si vous regardez dans la description, vous avez le lien parrainage Rakuten, vous avez les liens d'affiliation sur BDFugue et sur Amazon. Faut pas hésiter à utiliser ces liens, c'est pareil, ça aide la chaîne et vous, ça ne vous coûte rien, puisque en fait, il n'y a pas de surplus. C'est moi qui ai un petit bonus si vous commandez avec ces liens-là. Voilà, donc vous savez tout sur l'actu de la chaîne maintenant. Donc merci à tout le monde d'être là et merci aux nouveaux Patreons d'être là à nouveau. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque les news, puisque j'ai noté quelques news ce mois-ci, des news qui me semblaient intéressantes. Alors déjà, alors je vais les ranger, je crois, je ne pourrais plus vous le montrer. Et une news qui m'a surpris, hop, et n'hésitez pas à interagir, hein, bien sûr, hein, c'est le but. C'est celui-ci, c'est le manga Sarami, Princesse de l'Enfer, qui revient en édition Misma. J'ai pas pensé à le mettre de côté. Laissez-moi regarder, peut-être que je vais le retrouver. Non. Non, non. Non, je l'ai mis quelque part, je sais plus où. Là. C'était un petit format, et le petit format, je me rappelle l'avoir mis en haut et pas en bas. Et alors, rappelez-vous, en fait, Sarami, c'est étonnant que ça ressorte chez Misma. Et en fait, j'avais acheté la version Bunko, j'avais acheté cette version-là. Une version chez Kanko. Je sais pas qui connaît. Salut Dorothée. Bienvenue à toi. Et donc, en gros, ça ressort. Et du coup, ben, ce petit manga-là, c'est en gros, ça, alors, le dessin est particulier, hein. Mais ça suit l'histoire d'une sorte de la princesse de l'enfer, on la voit avec ses cheveux à serpent, et elle va vivre dans le monde des humains de mémoire. Et en fait, c'est une série mi-comique, mi-fantastique, etc. Honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Je l'avais, c'est délirant sur plein de trucs, mais j'ai pas trouvé ça hyper drôle. Alors, soit l'humour y passait pas, soit ça vient de l'adaptation, je ne sais pas. Je l'ai fait lire à des amis, et pareil, ils ont été un petit peu déçus par cet ouvrage, qui pourtant a des personnages totalement farfelus et des personnages farfelus quoi. Il y a quelques chapitres très touchants, très émouvants, plutôt bien faits, mais de manière générale, la narration elle restait assez inégale. On savait pas trop où ça allait. Il y a un fil conducteur qui se dessine, mais qui va pas vraiment jusqu'au bout. Bref, à vous de vous faire une idée dessus. Quand j'ai vu la news, je me suis dit, bon, moi j'achèterai pas la nouvelle édition, ça c'est sûr. De toute façon, par défaut, j'achète pas. Mais même si j'achetais, je ne suis pas convaincu que je l'aurais pris. D'ailleurs, ça fait partie des livres, je les ai, mais c'est pas dit que je les garderai à vie, quoi. Donc voilà, donc j'ai vu cette petite news. Donc vous savez à quoi vous en tenir. Par contre, j'ai vu une autre news qui est plus sympa. Et là, on est sur du. De l'actu là donc vous savez la dernière fois je vous ai dit il y a une nouvelle édition de Ken qui arrive l'édition extrême donc chez Crunchyroll puis chez Kazé. Hop là je sais qu'il y a des bruits de micro quand je fais les lives je vais essayer d'éviter les bruits de micro quand je déménagerai j'essaierai de mettre le micro en hauteur pour que ça fasse plus ces bruits je sais pas si vous les entendez mais des fois, quand je vérifie des replays, j'entends ces bruits de micro régulièrement. En fait, ce qui était intéressant, c'était que l'éditeur
allait proposer, parce que ça, vous l'avez vu, cette annonce, je suppose. Ceux qui m'ont suivi, de toute façon, l'ont vu. Voilà, donc c'est ici que ils ont dévoilé qu'il y aurait d'autres mangas autour de Okuto no Ken, qui sont prévus pour 2023. Et là, je me suis dit, ah, ça c'est intéressant, parce que bon, Ken, je l'ai déjà en petit format. Et donc du coup, ben, je me suis dit, ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a comme manga sur Ken? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Stax Fizzy, salut à toi. Ben, merci pour ton commentaire. Ben, c'est cool si mon contenu t'a plu. Donc, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour ton commentaire. Et oui, Roche, oui, effectivement, Crunchyroll Kaze a communiqué sur la charte graphique. On pourra en parler un petit peu à la fin si vous voulez. Donc voilà. Parce que là, comme ça c'était aujourd'hui, je ne l'ai pas noté dans mon fil là, enfin dans mon petit plan, mais on pourra en parler tout à l'heure. Je vais le rajouter vite fait, parce que j'avais autre chose à parler. Je vais parler Crunchyroll Jaquette. Voilà. Alors, dans Ken, qu'est-ce que nous avons comme super manga? Qui connaît les spin-offs de Ken? Alors, la couverture est cool de Sarami, oui. Mais le manga, un peu décevant. Alors, sur Ken, il y a Amiba, qui est un isekai où ils se retrouvent, voilà, réincarnés dans un autre monde. Ils sont pas embêtés, quoi. Ils ont pris un personnage, bim, dans un isekai avec des dragons. On le voit dans la couverture 2. Voilà, qui est juste incroyable cette couverture. J'adore. Ou même dans la 1, on le voit ici. Voilà, rien que ça, c'est génial. Coucou d'Ukraine. Ah, ben c'est cool là, t'écris de loin, Greg. Mais avec plaisir, Greg. Et donc du coup, voilà, Amiba dans un isekai, Amiba de mémoire, c'est le mec qui usurpe l'identité de Toki, un Toki qui guérit les gens, un des frères de Ken. Voilà, après qu'est-ce qu'on a? On a celui-ci. Celui-ci, par contre, j'ai absolument envie de le lire. Alors l'autre, c'est en deux volumes, mais c'est en cours, hein. Celui-ci, j'ai absolument envie de le lire. Enfin, je vais zoomer un peu pour vous. Non, je ne peux pas zoomer plus. Et ça, en fait, c'est une histoire qui fait croire que Ken, en fait, c'est un film et ils sont sur le plateau de tournage d'un film. Et c'est ça le pitch, en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils expliquent là. Donc, du moins, tout ce qui se passe sur le plateau de tournage où la fiction Okuto no Ken est réalisée. Et franchement, ça, j'ai bien envie de le lire. Ça a l'air débile. Et ça a l'air très drôle. Donc, il y en a deux en cours, apparemment. Voilà, je vous montre un petit peu les jaquettes. Et donc voilà, donc ça me dit bien de tenter l'aventure de ce spin-off là. Hop là, voilà. En troisième, on a celui-ci. Alors, celui-ci, toc. Alors, ça, c'est Ichigo. Alors, je crois que c'est un des mecs du Nanto. Parce qu'à la fin, il y en a 14 200. Il n'y a pas plus, il n'y a pas d'informations sur lui. En tout cas, pas sur Manga News. Et là, on le voit avec son anniversaire. Donc, je pense à un peu comédie, décalé. Voilà, parce que même dans le tome 2, là, hop là, voilà, on les voit tous un peu en sans combattre. Mais ça n'a pas l'air hyper, hyper sérieux. Et il y a beaucoup de volume, parce que là, c'est le numéro 9. Et c'est toujours en cours, ce truc-là. Donc, j'ai vu ça, je fais, ah ouais, quand même. Je sais pas si on peut tous les avoir là. Si, on peut tous les avoir. Et ça a l'air assez délirant, hein, parce que si on les regarde toutes les jaquettes. Donc là, on le voit là avec des fraises. Pourquoi pas? Avec tous ses potes du Nanto. En train de faire une course. La course, mais attachée, quoi. Donc voilà. Donc ça a l'air bien, bien débile aussi. Je sais pas si ça sortira, hein. Voilà, en train de faire une sorte de jetpack là, sur l'eau là. Du jet ski, c'est la fin de l'abondance, on l'a dit. Donc plus de jet ski, s'il vous plaît. Le rugby avec Ken. Voilà, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, ça a l'air énorme cette série. En train de faire un groupe d'idoles. Ça me fait rire, je suis désolé. Avec des figurines. En train de jouer aux figurines. Et le dernier, là, le 8, en train de faire un plat de curry. Donc voilà, donc franchement, ça a l'air hyper, hyper délirant. Donc, là. Eh bien, écoute, merci à toi, XTAS, de nous rejoindre sur Patreon. C'est très, très gentil à toi.
Donc voilà, donc s'il y en a qui vous dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire hein, pour voir un petit peu vos retours hein, entre Amiba qui se retrouve dans dans un isekai, le drama sur le plateau de télé, là Ichigo qui passe un truc comique apparemment. Donc n'hésitez pas à le dire comme ça. Dites-moi si je suis tout seul dans mon délire ou si vous êtes avec moi. Après, il y a celui-ci. Alors, normalement, c'est 8 volumes. Et c'est Dédé Okuto no Ken, qui est une version SD de Ken le Survivant. Ça me dit pas, par contre. Et Ken, il travaille dans un combini, Rao dans une cuisine, Toki cherche du travail. Bon, ça, je pense que c'est un humour typiquement japonais. Je ne vais pas tous les ouvrir. Et clairement, c'est pas mon kiff. Hein. Ah ouais, non, mais Ken, comme tu dis, il est en soucé, quoi. Voilà. Les jaquettes. Ça, généralement, les versions mini, ça m'a jamais vraiment fait rire. Donc, je m'attends pas à grand-chose de ce truc-là. Donc ça sera sûrement sans moi. Après, on en a un autre. Il y en a un, hein, des spin-offs. Hein. Donc ça, c'est un one-shot. Donc c'est un truc sur le Nanto. C'est quoi un spin-off de Okuto no Ken qui prend place avant l'apparition des cinq éléments. Et c'est un nouveau personnage. Voilà. Donc pas plus. Donc je pense que ça... Ça approfondit un petit peu la mythologie Ken avec des nouveaux personnages. Au moins, ça se prend pas au sérieux, Boris. Hein. Donc voilà. Donc pas envie de payer ou consacrer de la place pour ces séries. Ah mais moi ça par contre, ça sera des lectures en numérique. Hein. Je vais pas l'acheter en physique sur le truc là. Je vais bien le lire sur la tablette pour rigoler, mais je l'achèterai pas en papier quoi. Donc voilà. Donc ça, moi, c'est en plus aussi. Par contre, il y avait cela que je voulais bien acheter parce que vous savez qu'il y a déjà eu des spin-offs qui sont sortis en France. Il y a eu Toki, il y a eu Rei, il y a eu Julia, il y a eu Rao. Mais en fait, tous ne sont pas sortis. Alors, il y a de tout hein, dedans. Il y a de tout. Il y en a des très bons en spin-off, je les ai tous. Il y en a des très très bons. Il y en a des plus mauvais. Celui-là de Rei, par exemple, est très mauvais. Celui de Julia est très cool. Et en fait, ils n'ont pas fait Jusa, donc voilà, qui est lui, en deux volumes. Et ils n'ont pas fait Jagi. Et moi j'aurais bien aimé parce qu'en fait, voilà, Jagi, en deux volumes aussi, qui sont assez cool les jaquettes. Et celui j'aurais bien aimé parce que ça vraiment ça part sur l'histoire des méchants et tout ce qui se passe autour de Ken qui n'est pas montré parce que l'intrigue est focalisée sur Ken et ses amis, quoi. Salut Bejita, bienvenue à toi. Et après il y en a une autre, alors il y en a sûrement d'autres, hein, mais ça c'est ce que j'ai trouvé. Et il y en a un autre. Et je ne l'ai pas retrouvé, c'était comment j'ai appris genre le karaté en lisant Ken le Survivant. Voilà, et ça c'était énorme. Je ne sais pas si on peut le retrouver. Attendez, manga Ken, appris karaté. Ken, attends, Okuto no Ken, je vais taper. Non, je crois pas que je vais le trouver, mais bon, c'est pas grave. Dans les images, mais je l'ai pas, j'ai pas pris le temps de chercher celui-ci, j'ai totalement oublié. Il vient de me revenir. Ah, c'est peut-être celui-ci. Non, celui-ci, c'est le plateau de télé. C'est le plateau de télé, donc c'est mort. En tout cas, voilà. Là, dans les hop là. Dans les spin-offs, donc il y a beaucoup de choses un peu ridicules, mais à la limite, moi je suis bien intéressé par les histoires des méchants et par le plateau télé. Voilà, ça c'est ce qui me ferait délirer à lire. Après, le truc de Amiiba en numérique, pourquoi pas, ça peut être cool. Par contre, le reste, pas plus quoi. Les spin-offs proposés par Mangetsu, ils vont proposer des spin-offs Mangetsu? J'ai pas vu la news passer. Donc oui, après, ça s'adresse vraiment à un public très très particulier. Donc voilà, on y va, la suite. La news suivante, c'est qu'il y a une nouvelle édition de la femme insecte de Tezuka. Cette news est arrivée le 15 août, donc du coup, est arrivée après mon live, naturellement. Et j'avais lancé l'édition, mais on va en reparler tout à l'heure. Hop là. Elle est là. Ça, c'est l'ancienne édition.
Ouais, c'est pas un spin-off, hein, Soten Dokkan, hein. C'est une histoire qui se passe avant, avec d'autres personnages, avec l'arrière, je crois, arrière, maître de Ken. Et moi, je l'avais lu chez Panini à l'époque. Les trois premiers sont super, les trois derniers aussi, tout le reste au milieu, c'était pas fou. Donc ça, c'est la femme insecte. Je ne vous montre pas plus parce que je vais en parler tout à l'heure plus en détail, parce que je l'ai relu justement pour ce soir. Et je pourrais vous en parler là. Mais sachez qu'il y a un nouveau Tezuka qui revient. Moi, j'aime beaucoup la jaquette. C'est une planche en fait de la BD qu'ils ont repris, qu'ils ont colorisée. Je la trouve très très jolie. Et avant, c'était sorti chez Saka, donc Casterman. Et là, ça revient chez Fleubleu. Voilà, je ne sais pas si je vais retrouver la planche. Je la trouve très belle cette planche. Je ne sais pas si vous aimez cette nouvelle couverture. Dites-moi si vous l'aimez. Non, j'arrive pas à la retrouver là comme ça. J'aurais dû la noter. Donc voilà, qui est un bon Tezuka à découvrir. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Oui, mais les univers de Ken, vous verrez, c'est pas mal, mais enfin, le début est bien, mais à la fin, ça explique un peu vraiment comment dire, la genèse du Hokuto et tout, c'est super intéressant. Mais honnêtement, au milieu, moi je m'ennuyais à le lire. Je trouvais que c'était trop. C'était trop, quoi. Après, ça veut pas dire que vous n'allez pas aimer, hein, mais moi je sais que j'ai revendu mes Seiken-là. J'ai gardé que les Ken classiques et j'ai pas vocation à les relire spécialement, quoi. Par contre, les nouvelles couves de Ken sont cool. Et voilà. Et là, donc Vincent, toi, tu aimes beaucoup cette nouvelle couve. Et toi, Krieg, c'est sur ta liste d'achat pour la femme insecte. Ouais, j'aime bien cette couve. L'ancienne était bien, mais très sobre. Celle-là, je trouve qu'elle est colorée, elle met le personnage en valeur et tout. Donc voilà, donc ça sort le 8 septembre, donc c'est demain. La news, elle est arrivée tôt, quoi. C'est genre le 15, le 8. Hein. Donc voilà. Une réédition de Neofest, oui. Neofest, pour l'instant, pas de nouvelles dessus, quoi. Donc je vois que c'est sur la liste de pas mal. Voilà. Je vois qu'il y a un gros décalage, hein, sur le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas des fois à tester Twitch, parce que j'aimerais bien l'année prochaine passer plus sur Twitch, parce que j'aurai beaucoup plus de possibilités avec vous. Là aujourd'hui, je suis encore un peu limité. Merci, merci tout d'être passé. Et donc n'hésitez pas des fois à passer sur Twitch, tester voilà, parce que l'année prochaine, je pense que j'essaierai de faire du full Twitch. Je dis pas quand, mais ça vous laisserait le temps de tester un petit peu, de découvrir le service, comment il est, etc. Alors, une autre news. Donc le 22, d'accord, c'est reporté au 22. Ça, j'avais pas suivi. Je vais voir sur Manga News, la femme insecte. Insecte, je vais essayer. Ah. Là. Voilà, effectivement, 22 septembre. Ben du coup, il faudra attendre un petit peu. Mais on en reparle tout à l'heure, plus en détail. Là, c'est pour ça que je reste pas plus. Là, on est dans la partie news. Alors, il y avait une news, je ne sais pas si vous l'avez vue. Il y a eu un crowdfunding pour une anthologie de Kaoru Fujiwara. Alors, personnellement, je ne connaissais pas. Et là, j'ai vu ça. Et c'était donc les éditions Le Louvre-Land qui ont fait ce financement participatif. Donc aujourd'hui, c'est simple, il a été annulé. Donc au moment où je fais cette news, il est terminé, la personne l'a annulé. Mais toutefois, je ne sais pas qui l'a vu ce financement. Est-ce qu'il y en a qui ont participé à ça? Est-ce qu'il y en a qui ont participé à ça? Puisque là-dessus, justement, la personne expliquait ce qu'il faisait, ses volontés et tout. Donc je vois qu'il y a quand même 60 contributions qui ont été faites, ce qui est quand même pas mal pour un truc de vraiment de niche. Mais moi, personnellement, quand je l'ai lu, j'ai pas été très rassuré par le discours. Déjà, il y avait assez peu de détails sur l'objet. L'écriture, l'explication faisait pas très professionnel. Ça manquait de maturité dans la façon de s'exprimer, je trouvais. Il n'y avait pas réellement de sortie. Disons que ça finissait comme, par exemple,
Ça sortira en octobre, mais il se peut que la date change. Bah, en octobre, ça fait quand même très court pour sortir un livre avec un truc qui finit maintenant. Voilà, ou par exemple, il y avait un recueil inédit, c'est de la création, quand on commence, c'est compliqué de faire de la création. Voilà, il y a des goodies photoshopés. Il y avait plein de choses, voilà, par exemple, ça, il y avait plein de choses qui faisaient très amateur. Voilà, c'est le mot, Boris, très amateur. Julien, je réponds à ta question juste après. Qui fait très amateur. Il n'y avait pas d'exemple de planche avec du lettrage. Ça mentionne de Simultrad. Mais du coup, pourquoi? Puisque c'est des œuvres qui sont déjà faites. Voilà. Et en plus, à un moment, ça parle que il ferait un geste commercial sur le livre. Sauf que le livre, malgré tout, c'est des choses qui sont quand même assez entourées d'un point de vue légal. Donc, j'allais dire, voilà, là aujourd'hui, il est clôturé, mais j'allais dire, pour ceux qui veulent investir là-dedans, réfléchissez bien, je ne veux pas vous dire de pas, je vous aurais pas dit de ne pas investir, je vous aurais dit en tout cas, personnellement, moi je n'aurais pas investi parce que le projet me semblait assez douteux dans sa faisabilité. Je ne doute pas des intentions du fondateur des éditions de Hurlant, je ne doute pas de ça, de sa sincérité sur le fait de vouloir sortir ça, mais sur la manière de faire, sur la manière d'amener tout ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ça me semble un peu bizarre. Ça fait presque un peu comme si. Ça fait plus coup de pub au final. Comment dire? Plus coup de pub au final que pour ces webtoons qui publient, etc. Que réellement sortir ça, quoi. Donc voilà, je ne vais pas insister plus parce que maintenant il est fermé, mais si vous voyez des crowdfunding, faites attention à qui le fait, pourquoi. Vérifiez la maturité du projet, la maturité des personnes qui le font. Là aujourd'hui, on est. Clairement encore, c'est encore un peu juste. Donc voilà. Donc pas plus sur cette news-là. Alors Julien, les mangas chez Fleubleu sont vraiment sympas. Oui, généralement ils sont tous sympas. Je crois que celui que j'avais le moins aimé, c'était L'homme qui aimait les fesses. C'était de l'humour et un peu érotisant des années 70. J'avais pas, je l'ai lu qu'une fois, mais je n'avais pas spécialement accroché à la proposition la première fois que je l'ai lu. Mais du coup, de manière générale, les Fleubleux sont très bien en livre. Quand on fera la Mangatech Tezuka, j'aurai largement l'occasion de les présenter en détail. Voilà. J'ai déjà fait quelques chroniques, hein. Moi j'avais fait Alabaster de mémoire, je ne sais plus ce que j'avais fait, mais j'avais fait quelques chroniques. Salut Ed, merci pour le petit commentaire. Ed qui expose des records, qui a déjà dépassé les 5000 abonnés. Donc voilà, et qui avec qui on avait fait une vidéo ensemble. Donc n'hésitez pas à aller voir le contenu de Ed. Si il fait voilà, il parle comme moi de manga avec toutes ses lectures, achats, etc. Dans son format à lui. Donc si t'as lancé une édition, franchement de la femme insecte, je pense pas que ce soit utile, Boris. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, je pense pas qu'il y aura de grosses différences, surtout qu'elle est quand même assez quali l'ancienne. Donc voilà. Ah, c'est lui le gagnant, Ed? J'avais pas vu du coup le gagnant, qui a gagné à la fin. Ah, moi j'ai été éliminé par Jérôme JDMP. Donc voilà, c'est lui qui m'a mis KO. Très bien. La news suivante. Alors c'est Delcourt Tonkam, puisque il faut savoir que Junji Ito va revenir à nouveau, mais chez Delcourt Tonkam. Alors, il faut savoir que le catalogue de Junji Ito est découpé en deux éditeurs. Et en fait, le Mangetsu n'a récupéré qu'une partie du catalogue. Au début, on pensait qu'il avait récupéré quasiment tout le catalogue, mais en réalité, il y a pas mal de titres qui n'ont pas accès. Ça n'empêche pas donc Mangetsu de faire de tout ce qu'ils peuvent et sortir les titres. Mais Delcourt Tonkam a encore accès à pas mal de titres, notamment Remina, notamment à Black Paradox. Là maintenant avec Raspoutine le Patriote qui a été annoncé et les Guillot, les Spirales et le dernier je sais plus lequel mais bon voilà et non et c'est tout, je crois que c'est tout mais en tout cas voilà donc c'est pour ça qu'il y aura encore les titres qui vont arriver chez Delcourt Tonkam non dont notamment un autre best-of donc voilà je commenterai pas Boris. Et donc Raspoutine, qui est une série en 6 volumes de Junji Ito, qui n'a pas scénarisé, qui a été scénarisé par quelqu'un d'autre, le co-scénariste de Naoki Urasawa, comme c'est précisé ici. Donc, je ne doute pas de la qualité de la série,
Mais je reste quand même un petit peu sur la réserve parce que c'est un truc un peu qui semble géopolitique. Donc techniquement, moi j'apprécie Junji Ito sur le côté un peu sur le côté horrifique. Sur ce côté-là, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de lire ça. Donc je laisserai sa chance quand même parce que j'ai envie de découvrir. Ça, je pense que je le prendrai sûrement en numérique parce qu'ils vont sûrement sortir ça en petit format tout pas beau. Donc du coup, voilà. En tout cas, ça sort. C'est en 6 volumes. Et je lirai par curiosité. Juste parce que c'est Junji Ito. Hein, parce que sinon, je pense que j'aurais passé le détail. Tu pourras toujours voir le live, le replay, je veux dire, Creed, ne t'inquiète pas. Au niveau de la news suivante, c'est Panini qui va rééditer l'édition, enfin, City Hunter dans une nouvelle édition. Alors, il faut savoir que cette édition, en fait, c'est la même que celle de la précédente, mais recompilée en double volume. Puisque voilà, mais avec du papier de meilleure qualité que l'ancienne, parce que l'ancienne, là, quand je l'ai feuilleté, le papier est un peu transparent quand même. Il n'est pas très très quali au final. L'édition est très belle, mais c'est pas si quali que ça. Salut Maniaque. Donc voilà, donc du coup, si vous avez l'ancienne, bon, je ne pense pas que ça vaut la peine de se lancer dedans. Si vous avez jamais lu City Hunter, ben c'est peut-être l'occasion, puisque là, il y aura donc 17 volumes, donc 18, enfin 16 volumes plus un 17e avec les guides, guide artbook, hein. Donc du coup, voilà, les 16 volumes, ça peut être l'occasion de découvrir City Hunter. Moi, de mémoire, je sais que dans l'ancienne édition, donc sur 35 volumes ou 36, je ne sais plus, les 10 premiers, c'était vraiment une sorte d'un peu d'introduction. C'est après les 10 premiers que City Hunter décolle de mémoire. Donc le début est encore un petit peu en train de se roder. C'est cool à lire, mais ça se rode. Et après, ça s'envole. Et après, c'est très drôle à lire, etc. Alors après, là, c'est des souvenirs, hein, des vieux souvenirs. Hein. Donc voilà, donc par contre, ceux qui ont l'ancienne édition, la blanche, la Deluxe, je ne sais plus comment ils l'appellent, ou la Perfect. Je ne sais plus avec leur nom, je ne sais plus. Ceux qui ont la blanche et qui n'ont pas complété entièrement leur collection, ben, du coup, n'attendez pas, hein, achetez de suite vos volumes parce qu'ils ne réimprimeront pas une fois que les stocks sont écoulés. Alors je crois qu'il faut encore une réimpression pour les retardataires, mais après c'est fini. Alors c'est 32 plus 3 pour l'édition Perfect. Mais l'édition J'ai lu, parce que je parlais en fait de l'édition J'ai lu, Tic Tac. Elle faisait 36 volumes de mémoire. Ou 37, je sais plus. Elle faisait un truc comme ça. Donc voilà. Et les marque-pages, c'est assez rigolo parce que les marque-pages de celui-ci sont les couvertures de l'ancienne édition. Donc ça, voilà, c'est assez rigolo. Les marque-pages sont jolis, mais bon, je préfère les avoir en couverture. Et sinon, par contre, bon, moi, je suis pas très fan de la charte graphique. Hein, je ne vais pas le cacher. Je trouve que c'est un peu bâclé, on dirait un stagiaire qui l'a fait. Je veux pas, je, on va mettre ça sur le dos du stagiaire pour se moquer. Mais honnêtement, c'est pas très joli. Je pense qu'ils auraient pu mieux faire de ce côté-là. Et à ce niveau-là, là, le truc multicolore, moi je trouve pas ça fou. Voilà, pas plus sur City Hunter. Rappelez-vous, hein, le concept, c'est que je sélectionne uniquement les news qui m'intéressent ou qui me semble intéressant à vous partager pour vous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est surtout si vous n'avez pas terminé l'ancienne collection, dépêchez-vous. Si vous voulez découvrir City Hunter, dans ce cas-là, soit ben, vous voyez quelle édition vous choisissez, mais en tout cas, vous avez une nouvelle édition qui arrive. Alors, celle-ci, ouais, je pense que la charte graphique a été pensée pour être pratique à la déclinaison. Mais la recherche n'a pas été plus longue. Oui, je pense, oui. Mais du coup, c'est un peu boulot de feignant, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais, Family Compo et Katsai, oui, ils sont dispo. Oui, j'ai vu, tu avais partagé la frise Ed à un moment où justement on voyait plein de petits personnages, etc. Moi, je suis pas un gros fan de frise, mais en tout cas, c'était mieux que ce qu'il y a là, le truc multicolore arc-en-ciel, quoi. Donc des news sur Mother Earth. Non, aucune idée. Je ne connais pas Mother Earth en manga. Donc du coup, je pourrais pas te dire. J'avais vu ça, c'est que Kana présentait son bilan autour de Naruto. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, il faut penser que Kana n'a plus de locomotive hormis Naruto.
depuis des années. Ils ont, en tout cas, de ce que je vois d'un point de vue extérieur, ils ont du mal à renouveler les gros succès à la Naruto. Et donc, du coup, voilà, ils disent quand même que ça s'est vendu à 27 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien, c'est un très 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 gros succès. Et que du coup, ben, la collection Hokage, on va pas se le cacher, depuis le début on le dit. Ah, c'est Mother Sarah, ok. On va revenir juste après. La collection Hokage, ben, elle était clairement là pour attendre une perfecte au Japon et pour relancer la machine Naruto pour justement les personnes qui n'avaient pas eu le temps comment dire, de faire l'ancienne ou voilà. Et en même temps proposer une édition plus grande. Alors, il y a eu le problème du papier et tout ça, on va pas revenir dessus. Là aujourd'hui, ils ont amélioré ça. Mais du coup, c'est drôle parce qu'ils cherchent tous les moyens, donc notamment la fabrication de timbres, des escape games, des jeux de société Boruto, des Playmobil, des cosmétiques, voilà, donc des choses comme ça. Donc on sent qu'ils tirent de tous les côtés sur Naruto pour essayer d'avoir quelque chose. Donc c'est. Bon, je pense que les fans sont contents, ils ont des goodies, ils ont des gadgets, etc. Mais on sent que Kana, ils sont en train d'essayer de tirer à fond pour essayer que le comment dire que la vache à lait marche toujours quoi. Donc voilà. Donc je trouvais ça intéressant que justement parce que même une news comme ça, c'est aussi pour reparler de Naruto et qu'on n'oublie pas Naruto, etc. Sinon, c'est le but, c'est qu'on se rappelle aussi qu'il y a une nouvelle édition, qu'il faut l'acheter, etc. Donc voilà, c'était juste ça sur Naruto. Il n'y avait pas spécialement plus d'analyse. Et donc voilà, c'est pas. Et là, ce que j'aime bien, c'est que sur Hokage, de mémoire, au début, ils disaient que c'était pour des nouvelles personnes pour faire découvrir Naruto. Et maintenant, c'est les fans qui ont grandi qui souhaitent avoir une nouvelle version mieux, avec les pages couleur. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc c'est grâce à Naruto qu'on peut avoir la collection Life, mais comme les collections Sensei, comme les collections Madine, etc. C'est des gros gros succès, bien sûr, des éditeurs. Qui permettent à ces éditeurs-là de sortir des titres plus confidentiels. C'est connu, on le sait. Donc voilà, moi, ceux qui aiment Naruto achètent Naruto, il n'y a pas de souci, quoi. Après, ça, la version aujourd'hui s'améliore. Donc si la version maintenant est de bonne qualité avec du bon papier, il n'y a pas de raison de ne pas l'acheter. Et elle sera à la hauteur avec le nouveau papier. Voilà. Après, ben voilà, les couves, la frise, etc., c'est que esthétique. Ça, c'est les goûts à chacun. Moi, les frises, je suis pas fou, je suis pas fan. Donc du coup, c'est clairement pas une édition que j'achèterais personnellement si je devais acheter Naruto. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, la meilleure version de Naruto, c'est la version numérique. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Donc, tu as pris les trois premiers volumes de City Hunter et voilà, la qualité du papier est très médiocre. Ouais. Ouais, sur l'ancienne édition, j'étais assez surpris de la qualité du papier. À l'époque, on faisait moins attention. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On arrive avec les trois dernières news. Hop. Ça se charge, non? Attendez. Est-ce que je peux récupérer le lien? Ah mince, je ne l'ai pas mis. Alors, apparemment, on va le chercher. Dans les news. Je me suis trompé, donc du coup la news est là. Alors, un nouveau Kaneko arrive. Donc l'auteur de Bambi, qui est réédité en ce moment chez Imo. Mais qui a eu aussi Soul, qui a eu Deadco, qui a eu plein de séries comme ça. Et du coup, ils sortent, là c'est Delcourt Tonkam. Qui va sortir donc Evol. Bon, on va pas parler de Pika, Delcourt Tonkam et compagnie qui aiment bien aller taper dans les. Ou même Saka, hein, enfin Casterman, qui aime bien aller taper dans les petits éditeurs pour leur voler leur truc fétiche. Donc du coup, Kaneko, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Kaneko, c'est un auteur très punk dans l'âme, avec des mangas qui sont hyper survoltés. Des scénarios qui sont très légers, il faut pas trop en chercher de ce côté-là, hein, clairement, mais des mangas qui vont à 100 à l'heure. Hein. C'est un peu là, c'est comme si vous rouliez en décapotable, à fond la caisse, avec la musique à fond rock, et c'est ça tout le temps les mangas en fait, c'est un peu ça. C'est très trash, voilà, moi j'aime bien, c'est très divertissant, c'est très cool. Et du coup,
Ils sortent et volent. Alors, ce qui est étonnant, pour l'instant, c'est une série en cours en 4 volumes, c'est qu'ils vont le sortir en cartonné avec jaquette. Hein. Donc, c'est vraiment, ils ont sorti le format Deluxe pour le vendre un peu plus cher. Et c'est presque. Enfin, je ne sais pas si vraiment la série mérite le format cartonné, en gros, le tapis rouge pour le truc. Je pense qu'une série moyen format, c'est cool, mais avec un livre souple, ça aurait été largement suffisant. Donc voilà, donc du coup, moi je l'achèterai parce que j'aime bien Kaneko et tout, même si je connais ses qualités et ses faiblesses, les choses que j'apprécie chez lui, des choses que j'apprécie moins. Mais je sais pourquoi je lis Kaneko, c'est pour avoir un bon divertissement. Voilà, en tout cas, vous avez Evol qui sort, vous pourrez le découvrir à nouveau. Et pas plus, c'est une petite news comme ça à surveiller pour les fans de Kaneko. Alors après, on va parler de deux derniers points. Alors j'en parle, mais je ne sais pas si je continuerai à en parler dans le futur. Je l'ai appelé le trait de la Discorde. Vous vous rappelez, je ne sais pas si ceux qui ont vu, Evangelion 2 est sorti. Et quelqu'un a remarqué que il y a eu un changement sur le dos du livre. Le chiffre est plus gros et il manque un trait. Donc voilà. Et donc du coup le ça automatiquement ben, ça a commencé un peu à râler. Et là Glénat, ils ont fait ah non non c'est normal, il y a eu un problème sur le 1. Mais sauf qu'ils n'ont jamais communiqué qu'il y avait un problème sur le 1, puisque c'est quand même censé être une édition parfaite, définitive, tout ce qu'on veut. Et donc du coup ben ok. Et en fait ils ont dit non non c'est le 1 qui est en défaut, vous pouvez demander des jaquettes etc. C'est le 2 qui est pas bon. Et en fait, le truc, c'est que, ok. Ah mince, il faut que je me connecte. Je peux pas éviter ça. Ah, attendez, je vais l'ouvrir sur Twitter directement. Et ça, si tu as les anciennes, si tu as l'ancienne édition de Naruto, effectivement, tu n'as pas d'intérêt à avoir la nouvelle. Mais là, du coup, tu parles à ton nom. Tu parles pas, du coup. Au nom de personnes qui aimeraient découvrir Naruto. Ceux qui aimeraient découvrir Naruto, je pense que c'est une édition qui est quand même meilleure que l'ancienne. Alors, du coup, attendez, j'essaye de l'ouvrir. Je vais taper Glénat Evangelion. On peut. Dommage que le lien là, il fallait que je me connecte, mais j'ai pas les. C'est pas le même navigateur. Voir les réponses. Est-ce que je peux avoir des trucs? Et en gros dessous, je vais pas le trouver bien sûr. Je vais faire ça. Non, je vais pas réussir à trouver. J'aurais dû prendre la photo avant. Tant pis. Sauf que quand la personne enlève la jaquette, sous le numéro 2, on a bien le trait. Et donc ça, c'était assez drôle, je trouvais. C'était assez drôle parce que bah, du coup, c'est quoi le vrai problème? Qu'il y a un problème, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, c'est juste, soyez honnête sur la communication, en fait. Et c'est plutôt la manière dont Glénat a communiqué en mode, non, non, mais en fait, il y avait une erreur sur le premier, on vous l'a pas dit. Et en fait, le 2, c'est le bon truc. D'accord. Et en fait, vous pourrez commander une jaquette, mais il faut que vous nous envoyiez une jaquette. Et on vous renverra une jaquette gratuite. Ouais, enfin, le bordel, quoi. Le bordel. Et honnêtement, est-ce que c'est vraiment une erreur ou est-ce que c'est pas plutôt qu'ils ont déjà lancé la production du tome 3? Ils ont fait la même erreur sur le tome 3. Et en fait, ils se sont dit, on va changer la première, ça sera plus simple. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme d'habitude, c'est qu'il y a un manque de transparence, un manque d'honnêteté. Parce qu'au final, c'est pas grave qu'il y ait une erreur, ça arrive, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on est une grosse boîte, un des plus gros éditeurs, voire le plus gros éditeur de manga français, quoi, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais le truc, là, c'est juste que dans la communication, c'est un peu foutage de gueule. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils se sont déjà fait bâcher la dernière fois sur leur communication. Et dès qu'après il y a le feu et compagnie, bah vite vite ils vont faire des communiqués pour calmer le truc. Voilà. Et au début c'est je te jette de la merde au visage. Et puis si tu réagis pas c'est bon. Si tu réagis je vais vite aller faire des mails, enfin, des messages d'excuses officiels pour calmer le jeu. Et donc là au bout d'un moment, bah stop quoi. Enfin juste soyez honnête. Et sachant que l'édition japonaise
Donc la Perfect Evangelion Perfect, qui est censée être l'identique, hein. Jap. Elle a ce trait en fait. C'est exactement comme ça. Est-ce qu'on a les 7 volumes là de côté? Vous voyez, j'ai oublié de préparer ça. Et du coup, je ne trouve pas. Si quelqu'un a le lien, je suis preneur. Essaye de regarder. Il n'y a que des. Japanese. Manga. Voilà, on va peut-être trouver avec tout ça. Je regarde, j'aimerais bien trouver, ça serait cool. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à trouver, j'ai oublié de le mettre de côté. Donc ça sera pour une autre fois. Mais bon, si vous cherchez la version japonaise. Voilà, elle est là. Elle est là. Super, je l'ai trouvé. On va zoomer comme ça. Eh ben, qu'est-ce que je vois ici? Un trait. Donc, c'est bien une erreur. C'est pas possible. Alors après, ok, même si c'était vrai, voilà, c'est la manière de communiquer le vrai problème. Et comme je disais, dessous, il y a le trait. Et c'est ça. Et on s'en fout du trait au final. C'est la manière de communiquer. Alors, je sais, ils n'ont pas communiqué sur comment changer encore les comment dire les jaquettes, mais bon, ils le feront plus tard. Je pense qu'ils voient un petit peu quoi. Voilà. Et il faut être minutieux, ça, c'est le boulot d'éditeur en fait de vérifier. Il y a plein d'équipes de gens qui sont payés pour ça. Au bout d'un moment, vous faites des erreurs, il faut assumer. Il faut assumer. Donc voilà. Donc Valou, alors je regarde un petit peu ce que vous avez écrit. Panini Comics pour la collection 100% Hulk ont ajouté une couve en plus pour le tome 2 et 3, mais ils offraient la couve avec le tome 3, pour au final ne plus avoir de couve papier sur le reste des volumes. Ok. Voilà, c'est ça. Mettre un trait par erreur, c'est louche. Oublier de le mettre, c'est plus logique. Exactement. Et c'est ça que les gens ont mis. Et donc du coup, ben. Ils ont bien gardé le dégradé de couleur comme la version japonaise, et comme par hasard, le trait a disparu, le truc a grossi, ils disent c'est une erreur. Donc voilà. Et ils ont jamais, surtout, à la limite, ils auraient dit, voilà, il y a eu une erreur sur la première jaquette. Non, ils ont fait comme si personne n'allait le voir, ils allaient réimprimer le truc et de dire, bah, c'est bon, on laisse tomber. Donc voilà. Ah, tu as envoyé, voilà, oui. Ah, voilà, tu as envoyé sur Twitter, attendez, je vais l'ouvrir. Merci Zeno pour le lien, c'est super. Voilà, c'est celui-ci que je cherchais. Et que ça, c'est le dessous de la jaquette. Et là, bah, il y est le trait. Et le 2, il a la même taille. Hein. Donc s'ils étaient hyper minutieux en quali, comme ils disent en live, bah, ça serait ça, quoi. Non, Walou. Donc c'est tout. Je ne sais pas si des fois vous voulez que je vous relaie ce genre d'informations. Parce que le but, c'est pas non plus pour. En permanence parler de tous les dramas qu'il y a parce que sinon on s'en sortirait pas, mais je trouvais que là c'était un petit peu gros, donc les trucs un peu gros comme ça, voilà. Et il n'y a pas eu un seul moment, effectivement on s'est trompé, machin, on est désolé. Non, ils sont restés dans le c'est le 1 l'erreur, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors qu'ils pourraient dire effectivement sur le 1 il y a eu une erreur qu'on a vue après, qu'on a rectifié sur le 2, on est en train de réfléchir à une solution pour que vous puissiez changer vos jaquettes, nous reviendrons plus tard vers vous. Ils auraient juste dit ça. Dès le début, on aurait dit, mais voilà, c'est réglé. Mais ils ont essayé de le faire passer en loose day, comme d'habitude. Et après, la dernière news qui date d'aujourd'hui, donc celle-là, je ne l'ai pas rajoutée dans mon film, on va en parler vite fait. Donc c'est actu. C'est justement, parce que j'accélère un peu, parce que j'ai 3000 lectures, on va finir tard ce soir. Il est où Crunchyroll, là? Je l'ai lu tout à l'heure. Il n'est pas là-dessus? Crunchyroll, jaquette. Voilà. Ah, ben c'est sur Crunchyroll même. Donc, cette annonce-là. Donc, Crunchyroll qui annonce que finalement, contrairement à ce qu'ils avaient dit au tout début, ils allaient mettre les nouvelles jaquettes Crunchyroll de suite. Ils avaient dit qu'en fait, ils allaient imprimer une première fois au moins avec l'ancienne et après les réimpressions seraient sûrement. Avec les nouvelles, mais ils avaient dit qu'il y aurait les anciennes.
Et là, ils ont changé. Ils ont dit que non, en fait, directement, ça sera les nouvelles. Et que si on veut, on pourra demander via un formulaire gratuitement. Là, ils ont bien dit que gratuitement, contrairement à Glénat, qui demandait de renvoyer sa jaquette, et très certainement à ses frais, pour prouver qu'on avait la jaquette. Gratuitement, une nouvelle jaquette. Enfin, avec l'ancien truc. Donc, ça va être un sacré bordel à gérer, ce machin-là. Je pense que c'est plus simple de commander, de proposer à tout le monde des jaquettes Crunchyroll. Oui, c'est ça, ouais. Ils vont proposer des jaquettes Crunchyroll pour mettre à jour pour les anciens. Donc ça va être un bordel. Et pour les vieilles séries, vous pourrez commander, Initial D par exemple, vous pourrez commander genre, les trois jaquettes, mais de l'ancien format. Enfin, ils ont fait un bordel. Mais juste pour dire que voilà, il y a eu ça. Par contre, le gros changement, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, ici, c'était une image. Et là, maintenant, ils ont appliqué une charte graphique sur tous les trucs où c'est un dos noir avec une image. Et j'avoue que c'est moins sexy, du coup. Alors, dans la librairie, ça va, enfin, dans la collection, les libraires et tout, ça va très très bien se voir. Par contre, ça casse un peu le truc et ça uniformise un petit peu trop, je trouve. Donc bon, on a l'impression que c'est un peu des jaquettes de jeux vidéo, tu sais, où tout est très, très calibré, en permanence. Après, voilà, moi j'ai pas de manga chez Kazé, donc je m'en moque. Mais derrière, ça sera. Il y a déjà l'initiative que ce soit gratuit. Ce ne sera pas parfait, mais c'est déjà gratuit. Mais sachez que vos jaquettes vont changer pour ceux qui ont du Kazé. Donc voilà, pas plus à dire dessus. Voilà pour les news. Oui. Donc voilà, sur le Discord, on en discutait et on en rigolait un petit peu justement de. On peut ouvrir une société où on va commander des jaquettes, on va changer les jaquettes, revendre les nouvelles, revendre les livres, voilà, et vendre des jaquettes qui n'existeront plus tard. Donc c'était voilà, c'était un peu n'importe quoi. Voilà pour ça. Et habituellement, on regardait un petit peu le planning. Donc je vous propose de passer au planning, si ça vous dit. Si le planning vous plaît, hein, puisque je le fais, le but c'est que ça vous plaise aussi. Alors on allait sur Manga Sanctuary pour le planning. Attends, il y est là. Il fait super chaud dans la pièce. Je vous dis, j'ai très chaud. Alors, on va se mettre en icône. Voilà. Alors, est-ce que je peux me caler un peu sur le côté? Voilà, parfait. Alors, on va aller assez vite parce qu'on va plutôt se focaliser sur les lectures, ce sera plus intéressant. Mais rapidement, dans les titres qui sont à surveiller, selon moi, donc je ne vais pas tous les faire là, les titres qui m'intéressent personnellement pour ce mois-ci, et il y a quoi de beau? Alors moi, je vais m'acheter l'encyclopédie numéro 4, après je vais voir où ça s'arrête, mais je pense que je vais m'arrêter par là, parce qu'après, les animés après 2000 m'intéressent moins. Donc sûrement, je vais acheter l'encyclopédie. Après, ouais, Samdeok et Yuakusho, c'est dans la chronologie des éditions au Japon. Ils n'ont pas eu le choix de sortir cette édition-là. La prochaine sera en grand format, mais la prochaine, elle arrivera dans 5 ou 10 ans, quoi. C'est un peu le problème. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, je sais que beaucoup sont intéressés par Sanctuary. Moi, personnellement, je passe mon tour. Pas en physique, en tout cas. Mais je sais que c'est un manga qui est attendu depuis longtemps. Je sais pas qui l'a lu. Alors il y a Fable. Fable, je vais en parler tout à l'heure. Vous pouvez acheter Fable, c'est très cool. Trilong Game, apparemment, c'est très cool à lire aussi. De Ikigami. Donc ça m'intéresse plus déjà. À voir si je me lance dedans ou pas. Par contre, vous avez Box de Morooshi, je vous avais présenté Shuri Ichimiko. Ça, c'est très très cool. Donc il faut vraiment que vous lisiez, que vous achetiez Box. Ça, c'est vraiment super. Voilà, il y a Je veux être maman là de Lemon Haruna qui avait fait Le Monde selon cette chaîne. Donc ça, je vais l'acheter pour ça. Parce que c'est une autrice que j'ai beaucoup aimée. Donc je suis curieux de voir qu'est-ce qu'elle va me proposer ici. Et du Keigo Shinzo, donc Le Jour du Typhon. Il faut que je lise Mauvaise Herbe, je n'ai toujours pas lu. Mais du coup, voilà, c'est ça que je vais. Seul, je vais l'acheter, c'est sûr. Léviathan, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas eu des super bons retours sur le premier. J'attends de voir les trois. Enfin, j'attends de voir les trois volumes, voir ce que ça donne. Oulala. Ah, le site en bois, quoi. Les trois premiers volumes pour voir ce que ça donne. Si j'ai des bons retours, je pense que je ferai le Léviathan.
Voilà. Et Sanctuary, c'est une ferme ouverte. Alors, tu vois, tu me donnes encore moins envie de le lire. Comme ça, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, on a, apparemment, il y a le Stop Ibalikoun 3 qui va arriver. Alors, tout à fait, Seb, tu peux rejoindre le Discord. Et il suffit que tu me fasses la demande en privé. Donc, envoie-moi un petit message sur le Patreon. Et je te l'enverrai tout à l'heure. Alors, TikTok, alors j'ai lu les deux premiers de Roster Fighter. Je n'en ai pas parlé en live. Mais j'ai lu les deux premiers. Et franchement, alors c'est pas le manga de l'année, clairement pas. Mais c'est le petit, c'est la petite lecture plaisir coupable. Il y avait des passages assez rigolos. C'est pas prise de tête. C'est pas si mal que ça. Je m'attendais à une grosse daube. Et en fait, franchement, c'est divertissant, c'est sympathique. Maintenant, voilà, c'est pas un manga incroyable, mais on passe un moment. Oui, la valse à trois sœurs est toujours prévue, et celui-là, c'est un titre qui m'intéresse d'ailleurs. Je vais un peu vite, hein, comme je vous disais. Toc. Vous voyez, moi, il n'y a pas un milliard de trucs. Alors, il y a Banana Fish qui se termine. Ne passez pas à côté de Banana Fish si vous ne l'avez pas lu. C'est vraiment un super manga. Oui, tout à fait, Seb. Et on n'est pas arrivé encore, mais effectivement, La concierge du grand magasin, ça, c'est un livre que je vais acheter, mais je crois qu'il est sorti en août, de mémoire. Parce que je l'ai vu déjà. Tourner. Je l'ai pas acheté, j'ai rien acheté là à part un livre. Donc Lono Fan Club, hein, toujours pareil. J'ai fait une vidéo dédiée à Lono Fan Club, donc ne passez pas à côté de ce chef-d'œuvre. C'est vraiment génial. Il y a Yasha qui sort, de la même autrice que Banana Fish. Ça me tente bien de découvrir ça, donc eux, je vais les lire. Ah oui, c'est Daruchan, pardon, oui, Julien, oui, effectivement. Ah, je me suis trompé. Le monstre Daruchan, c'est quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Donc, le Je veux être maman, c'est la même autrice que Daruchan. Oui. En plus, j'avais Daruchan en tête, en visuel, et je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette chan. Qu'est-ce qu'on a après? Beast Complex, c'est plutôt cool, hein. Moi, j'ai lu le premier, et franchement, c'était. Hop là. Et pas cool ce site. Et franchement, Beast Complex c'était très cool à lire. Donc le 2, je suis très intéressé. Je vais attendre qu'une amie l'achète et je vais le lire. Après, on a les chefs-d'œuvre de Lovecraft, le Molosse, que j'attends. Sukenroch, je crois que c'est encore une nouvelle édition. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas lu, donc je pourrais pas. C'est pas trop ce que je recherche en lecture. Mais voilà. Ah, donc c'est bien ça, les titres sont sortis le dernier jour d'août, donc c'est pour ça qu'ils sont pas là. Donc je vois que ça, voilà, t'as quand même choisi des bons titres, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a après? Bah, Apozim qui finit. Moi j'avais lu les deux premiers avec j'ai une signature de Niei dans le premier, et là j'ai pourrais enfin tous les lire. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, il y a très certainement des titres que vous avez envie de lire, etc. Hein. Comment ça s'appelle? Ça ne veut pas dire que ce que j'achète moi, c'est le meilleur ou c'est ce qu'il faut acheter. Il est ici, la valse aux trois sœurs. Il sort donc le 21 septembre. Voilà, une sacrée mamie. Moi, j'avais lu l'ancienne édition. J'avais adoré le début. Après, je trouvais que on perdait en. C'était de la fiction et on perdait dans le côté autobiographique, mais ça reste toujours très très cool à lire. Donc la femme insecte, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a après? Alors la pomme prisonnière, j'en ai parlé. Hein, j'en ai parlé. La pomme prisonnière, j'en ai parlé à mon dernier live, hein, puisque je l'avais acheté à la Japan Expo. Donc si vous voulez savoir ce que ça vaut, vous pouvez y aller. Oui, il y a Posine qui sert de sous de table, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Ça me tente bien, Nakano Boogie, en deux volumes. Ça a l'air chelou, ça me tente bien de tester cette série. Et après, qu'est-ce qu'on a?
Je regarde un peu. Non. Ah, il y a le Toku Confidential 2. Moi, j'avais acheté le premier en numérique. Il faudra que je me prenne le deuxième du coup. Et Don't Call It Mystery, ok. Qui va sortir enfin. Sachez qu'entre-temps, mon anniversaire sera passé ici. Parce que ce mois-ci, c'est mon anniversaire. À la fin du mois. C'est le 29 septembre, pour ceux qui s'en rappelleront. Ah là, il n'y a plus de jaquette là. Naoki Urasawa. C'est quoi ça? C'est fou qu'il n'y ait pas de jaquette. L'ambassadeur du manga. Ok, d'accord. C'est un livre sur Naoki Urasawa. Ok, ben comme ça là, moi, c'est tout. Je suis allé très vite, hein. Désolé, on fera ça la prochaine fois, on prendra un peu plus le temps. Mais là, il y a encore pas mal de lectures et tout. C'est pour ça que j'ai pas pris trop de temps. Autant se concentrer sur les lectures. Vous avez vu un petit peu moi ce qui pouvait m'intéresser. Je sais que sur Manga Collect, parce que souvent j'utilise plus Manga Collect comme j'expliquais là pour les plannings maintenant. Si je fais le truc personnalisé, j'avais une énergie de balance. Alors. Ah, tu peux y aller, hein, Doro et Doro, c'est de la bombe absolue. Donc effectivement, il y avait Box, Le Jour du Typhon, Je veux être maman, Stoppy Barley Coon, il y a Yasha, Le Molosse, Apozim, on a quoi après? La Valse aux Trois Sœurs, La Femme Insecte, toc toc toc, il y a le Jojo que je vais acheter, il y a le Soul Keeper, ah non, on est en octobre, oula, je suis trop loin, je suis trop loin. Donc voilà, vous voyez, moi ça va être ça, je vais acheter quand j'aurai déménagé. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? D'accord, apparemment, donc c'est un tome 1 pour le Souken Rock. Donc, non, mais Sacré Mamie, c'est très bien, hein. Franchement. Je t'ai dit, moi, le début, j'avais adoré. Et justement, ce côté avec la grand-mère qui économise tout et tout. C'est juste qu'après, dans les histoires, puisque moi, j'avais lu les 8 volumes, au début, c'est vraiment de l'autobiographie romancée. Hein. Après, ça part vraiment dans la fiction. On sent qu'il a créé des histoires et je trouvais ça moins pertinent et je trouvais ça plus sincère et plus touchant quand c'était ses histoires à lui qui racontait, tout simplement. Mais ça n'empêche pas que ça reste toujours feel good et toujours très agréable à lire. Voilà. Au revoir Mima, ouais, c'est génial. J'en avais parlé pendant un live. Et le concierge, ça, je vais l'acheter, ça a l'air génial. Non, je suis Balance, le signe astrologique. Salut Achille. Alors, pour Mizuki, je te conseillerais de commencer par peut-être Nonamba, c'est un truc simple. Mais ce que je vais faire plutôt, je vais te renvoyer vers ma vidéo sur la Mangatech numéro 5. Tout en haut, je fais Mizuki, il y a du chapitrage, tu verras. Alors, il y en a peut-être deux vidéos sur la 5. Et donc, du coup, tu auras tous les Mizuki présenté et en plus je te dirai mes préférés. Donc n'hésite pas à aller va voir mes anciens lives. Voilà, sachant que les Mizuki, je les ai quasiment tous chroniqués sur Instagram. Donc tu as absolument tout dessus. Donc soit je te conseillerais Nonamba, soit Vie de Mizuki pour aller rapidement. Alors, les lectures. Alors ce que je vais faire, petite pause technique rapidement. Comme ça me laisse le temps de souffler un petit peu et remplir ma gourde d'eau. Et je reviens dans 2 minutes. Ok? Donc, à tout de suite.
Et voilà. C'est bon. Alors, du coup. Donc toi, Tic Tac, voilà, tu as fait ta petite liste aussi. 4 size, moi, j'ai la vieille vieille édition, mais sans plus, quoi. Voilà. Et après le reste, Butterfly, j'ai pas testé. Et bon, tu connais, les enfants d'Hippocrate, c'est pas trop une série qui me tente. Et qui me tente. Comment dire? C'est une série auquel il y a un lien, puisque aujourd'hui on va parler là du bateau de Thésée. On va commencer les lectures. Alors juste avant les lectures, un petit rappel aussi. Ceux qui veulent me soutenir, ceux qui veulent soutenir la chaîne, rappelez-vous, il y a le Patreon. Vous êtes tous le bienvenu sur le Patreon. Il y en a pour toutes les bourses, je dirais. Et vous pouvez me soutenir avec les liens qui sont affiliés dans la description. Même si vous commandez n'importe quoi sur Amazon, vous pouvez passer par ce lien, commander. Et ça me fait un petit pourcentage et ça aide la chaîne indirectement. Donc n'hésitez pas à ça. J'en ai parlé la dernière fois, Creed, des Tezuka chez Issan, pendant mon live Japan Expo. Donc du coup, c'est pour ça. Il faut que tu vois mon live Japan Expo. J'ai parlé de Blackjack et de Shiba, etc. Voilà. Donc Box a l'air très très cool, hein, effectivement. Puis Morouchi, je vous avais parlé de l'auteur, hein, donc Morouchi, avec Shōri Ichimiko. Vous savez comme j'adore Shōri Ichimiko, donc franchement, comment dire, c'est vraiment super, quoi. Et Shōri Ichimiko, il y en a d'ailleurs pas mal sur. Enfin, normalement, il y en a encore sur Rakuten, à prix genre 25 ou 30 euros le lot, passer par-dessus. Et pareil, il y a du parrainage Rakuten dans les trucs, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez 10 euros en plus d'offert pour la commande. Donc ça vous fera 10 euros en moins. Donc voilà. Alors, au niveau des lectures, qui a déjà lu Le Bateau de Thésée? Série en 10 volumes. Je vous mets un peu les images. Hop. Alors Fredo, pour Shōri Ichimiko, il y a un lot normalement sur le truc de Rakuten de mémoire. Et dernière. Je vais vérifier, mais. Parce que. Et c'est des livres neufs, hein. C'est des vieux stocks là. Shōri et Chimico. À moins qu'il n'y soit plus, mais. Alors, Shōri, Chimico, juste. Ah, il n'y a plus l'air d'y avoir le lien. Et eh ben du coup, bon, si je retrouve un jour, je vous le donnerai. Mais effectivement, le tapant là, il n'y a plus le truc. Alors, donc du coup, donc toi Nico, tu avais adoré. J'ai manqué le bateau Mi. J'ai pas compris. Ah, tu l'avais pris sur Rakuten. Ok, super. Ben, c'est cool, Mathilde. Au moins, t'as pu les avoir. Tic Tac, donc tes 10 volumes, pas encore lus. Pareil, dans ta palle, etc. Et bien, on va en parler. On va en parler et bien sûr je vais éviter de spoiler, hein. Je vais rester sur les grandes lignes du truc. Donc du coup j'avais beaucoup entendu parler de cette série. Beaucoup d'avis très positifs sur la série. Et donc je me suis procuré les 10 tomes. Donc pour ceux qui ne savent pas, le bateau de Thésée, déjà on va parler un petit peu de manière générale. Le bateau de Thésée, c'est une expérience de pensée en fait. Hein. C'est-à-dire que là, ça s'appelle comme ça, mais. C'est tiré de quelque chose, hein, c'est tiré d'une pensée philosophique en fait qui concerne la notion d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer un bateau, d'accord, où on prend toutes les pièces et ce bateau, le bateau de Thésée, on va remplacer pièce par pièce ce bateau progressivement jusqu'à arriver un jour où on a remplacé toutes les pièces de ce bateau. Ce qui veut dire que techniquement, il n'y a plus aucune pièce d'origine. Et en fait, la question, c'est de savoir si ce bateau, c'est un autre bateau, ou si c'est le bateau, toujours le bateau de Thésée. Et c'est la question, est-ce que c'est un autre ou le même? Et le manga part de ce truc-là,
avec un voyage dans le temps, etc., pour répondre indirectement à cette question. Donc voilà. D'accord, manquer le bateau, c'est rater quelque chose, une occasion. Mais je ne savais pas que c'était une expression québécoise. Mais tu es québécois, Chatonron? Ou québécoise, mais je crois que tu es un garçon, Chatonron. Mais justement, on va en parler, Bibi, on va en parler. Donc voilà. Alors en gros, l'histoire, on va virer tout ça. On va garder. Hop là, donc je vais vous montrer surtout les premiers volumes, hein, parce que le but, c'est pas vous spoiler. Vous doutez bien. Voilà, oh, c'est bien, on a un zoom qui est correct. Là, je vais rester sous les livres, comme ça. Ah, ok. Laissez-moi ouvrir. Voilà. Voilà. Je me mets comme ça. Je vais essayer d'optimiser pour que vous ayez l'image le plus gros possible. Voilà, c'est bien là. Parfait. Donc en gros. Alors si je vous montre mal, parce que moi, vous savez, je regarde mon écran, mais entre les commentaires qui sont ici, j'ai quelques notes à droite, j'ai mon retour vidéo, etc. Bon, mais du coup, des fois, il se peut que je ne vois pas tout. Donc je vais réduire ma fenêtre comme ça. Voilà, j'aurai le retour vidéo en entier. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors en fait, en gros, ça cite l'histoire de Chine. Donc Chine qui est là, derrière. Donc on va l'ouvrir ici. Voilà, c'est du Chine, tout simplement. En gros, c'est un mec, il a beaucoup de difficultés dans sa vie, d'accord? Il a beaucoup de galères dans le sens où il ne peut pas garder son job, chaque fois on le vire, sa famille est dispersée de partout. Comment dire? Il a beaucoup de soucis par rapport à la société, puisque les gens le jugent tout simplement parce que son père, qui a été policier, il est accusé au moment de sa naissance d'un massacre. C'est-à-dire qu'il est accusé d'un massacre d'une école maternelle où il a empoisonné massivement des élèves et beaucoup, enfin tous les élèves sont morts. Et donc du coup, ben, comme la société japonaise, tout est souvent très lié, ben, du coup, lui subit les foudres des conséquences de son père qu'il n'a techniquement jamais connu. Merci Seb d'être passé. Bonne soirée à toi. Et donc, il va se retrouver un moment, parce que là, voilà, il a bien sûr les articles de son père, etc. Il vit avec sa sœur de mémoire. Et il va se retrouver au bout d'un moment, projeté comme par magie dans le passé, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, je dis vraiment comme par magie, parce que c'est clairement pas un élément qui est spécialement détaillé. Alors, j'ai vu quelqu'un l'a mentionné, et effectivement, visuellement, honnêtement, je trouve ça très joli. Moi, j'aime beaucoup le caractère design des personnes. J'aime beaucoup leur visage. Même, c'est très bien dessiné. Franchement, de manière générale, il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est très agréable à lire au niveau du dessin. Donc, voilà. Et le début du bateau de Thésée, honnêtement, j'ai trouvé très, très prenant. C'est-à-dire qu'on se laisse guider par la curiosité de l'histoire, à savoir, bon, ben, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a vraiment tué ses enfants ou pas? Puisque quand il va se retrouver rapidement dans le passé, on est où là? Hop. Voilà, quand il va se retrouver rapidement dans son passé, bon, bah, il va en fait trouver son père en fait. Et son père qui lui ne le connaît pas. Et il va trouver son père et le voir vivre avec sa mère et sa famille, etc. Et il va se voir lui petit avec sa sœur. Donc du coup, le manga, il est assez intriguant au début. Il y a plein de pistes trompeuses. On nous fait croire que, puis juste après, on nous dit oui, mais non, en fait, il faut le voir d'un autre angle. C'est pas comme ça. Puis les indices, ils arrivent petit à petit. On se laisse prendre au jeu. Franchement, le début, je trouve que les 5-6 premiers volumes, ils sont très cool à lire. Et en plus, ben, lui, comme il vient du futur, son identité secrète, cette ambiguïté va très vite être découverte. Dès le premier volume, hein, un truc comme ça. Donc il n'aura pas besoin de cacher le fait qu'il vient du futur. L'auteur, il a fait, c'est bon, on sait que tu es du futur, bisous, on passe à la suite, ça sera plus simple que jouer sur le oui, mais finalement, t'es qui, t'es toi, etc. Donc comme je disais, voilà, il va découvrir sa famille comme il n'a jamais vu tout ça. Donc il y a les côtés aussi, en plus de l'enquête, qui sont très touchants, parce que ben, il va revivre un peu, enfin, il va vivre ce qu'il n'a jamais vécu, puisqu'il va se retrouver plus ou moins. On va dire être souvent chez ses parents, hein, donc du coup ses parents du passé.
Donc du coup, il y a ça. Et on va vite se rendre compte que, ben, comme il connaît les événements, il va essayer de les changer naturellement, hein. Vous savez bien qu'un voyage dans le temps, c'est pour changer les événements. Et qu'il y a des choses qui vont quand même se produire. Il ne va pas spécialement arriver à arrêter de faire ça. Donc on ne sait pas si est-ce que ben, il ne peut pas agir sur la différence. Mais rapidement, ils vont voir que des événements sont modifiés. Et ça, ben, c'est plutôt cool parce que ça modifie l'histoire et ça apporte de nouveaux éléments. Même si dans la gestion du temps, il y a des choses qui sont très très reprochables. Par exemple, il fait quelques allers-retours entre le passé et le présent. Et il a des objets du futur ou du passé qui ramènent, etc. Bon, voilà, ça reste discutable sur le ben, si tu as fait des changements, pourquoi tu auras encore cet objet-là, ou etc. Mais on va pas lui chercher la petite bête. Il est où le 2? Hop. On va éviter de vous montrer le 10, hein. Voilà. Mais ça, voilà, le plus important au final, enfin, voilà, c'est pas ça le plus important, puisque l'important, c'est on va surtout se questionner sur la crédibilité du voyage dans le temps, parce que bon, enfin, de toute façon, bon, on va dire c'est souvent bancal les voyages dans le temps. Il ne faut pas s'attendre à autre chose, hein. Mais là, le plus important, ça va être l'enquête. Donc le début, très cool. Sauf qu'en fait, à partir du tome peut-être 6-7, je trouve que ça se gâte un peu. C'est-à-dire que moi, perso, je commençais à décrocher. Je commençais à décrocher, voire à un moment, je m'étais un peu ennuyé, limite. Et en fait, c'est un moment où il y a beaucoup de révélations, mais c'est beaucoup de révélations avec des fausses pistes, bien sûr. Hein, vous vous en doutez, on ne va pas donner directement qui est le grand méchant de l'histoire. Mais quand on arrive jusqu'à la fin et qu'on découvre qui est vraiment celui qui a empoisonné tout ça, moi perso j'ai trouvé que c'était très décevant. Très très décevant. Et même dans les derniers événements et tout, il y a un peu de facilité scénaristique. Je trouvais que voilà, ça fait un peu. Ça manque de crédibilité en fait. C'est-à-dire que ça a tiré pas mal sur la corde à des moments. Et puis à la fin, ça manque de crédibilité, ça, je pense, ça passe un peu à côté de son objectif, du coup ça fait un peu pétard mouillé. Voilà, à force de jouer sur les ficelles et compagnie, ça fait un peu pétard mouillé qu'on découvre qui est vraiment le tueur. Alors, naturellement, moi en fait, c'est que automatiquement, j'avais tendance aussi à le comparer à autre chose, c'est-à-dire à le comparer avec du Urasawa par exemple, qui a fait Monster, Twentieth Century Boss, qui fait des intrigues beaucoup plus dense, beaucoup plus soutenu. Donc, certes, Urasawa a ses propres défauts de narration, mais dans mes souvenirs de Monster ou de 20th Century Boys, même si ça fait longtemps que je les ai lus, c'était quand même d'un niveau au-dessus. Un niveau au-dessus au niveau de la complexité de l'intrigue. Donc, complexité de l'intrigue, et au niveau de. Comment ça s'appelle? De la densité d'information. Hein, dedans, parce que c'est quand même là le problème, c'est la narration, je trouve. C'est-à-dire que la narration, ça reste, alors là, bon, je tombe sur les exemples comme ça, mais au final, ça reste, il y a assez peu de cases, c'est très aéré. Il y a beaucoup, je sais pas si je vais trouver, il y a beaucoup de, parce que bien sûr, quand on lit, il y en a plein, mais quand on cherche, il n'y en a presque plus. Mais voilà, il y a beaucoup de pages comme ça, en fait, qui sont très séquentialisées, qui sont énormément, comment dire, découpé de façon cinématographique, et ça fait un peu répétitif parfois. C'est très visuel en fait. Il y a finalement peu de cases, il y a peu de texte, et il a tendance à remettre 30 fois des fois les mêmes choses. Alors, au début, l'article de son père, il le met mais 10 fois quoi. On a compris. Au bout d'un moment, c'est bon, passe à autre chose quoi. Voilà. Ou des flashbacks qui reviennent et des fois on fait mais oui, enfin c'est bon, on sait que tu as ce flashback, tu me l'as dit il y a 2 chapitres quoi. Donc on passe son temps en fait à tourner ses pages parce qu'il y a très peu à lire. Et au bout d'un moment, moi j'avais un peu l'impression d'avoir du vide en fait. Je lisais, puis pouf, 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 c'est un peu comme ça. Et je trouvais que ça. Comment dire? Et je trouvais que du coup, ben, ça, ouais, c'est un page-turner, mais pas un page-turner pour les bonnes raisons. C'est un page-turner parce qu'il n'y a pas grand-chose à lire. Et donc c'est pas dans le bon sens en fait. Alors, je pense que il aurait gagné le manga à être un peu plus verbeux, de parler un peu plus, et de faire moins de tomes. C'est-à-dire que attirer un petit peu trop l'histoire, ça se dilue. Et la conclusion, voilà, elle est un peu décevante. Et donc, ce qui fait que j'en suis ressorti un peu déçu de la lecture de ce manga. Je suis assez mitigé, voilà, entre le début qui est très bien, le truc qui se dégrade après. Mais attention, c'est pas mauvais non plus. C'est-à-dire que
J'ai lu beaucoup de mangas et quand je lis ça, je trouve que c'est un manga qui est moderne et qui utilise assez bien les ficelles des énigmes, des rebondissements, etc. Mais il souffre un petit peu quand même de la comparaison avec d'autres auteurs comme Urasawa, comme je disais, qui bon, lui ne sait pas finir ses histoires. Par contre, lui sait finir ses histoires. Au moins, il propose une fin. Voilà. Hein, donc ça, c'est un petit peu ça. Donc c'est pas un manga que perso j'ai vraiment envie de relire, parce que déjà la première lecture, il y a des moments j'avais envie que ça aille plus vite, et c'est quand il est reparti dans les révélations finales où j'ai fait ah d'accord ok, bon ben là ça rend un peu plus intéressant, du moins j'avais envie de savoir la fin quoi, qui avait fait ça. Mais du coup voilà, ça reste un manga qui a des bonnes qualités, qui a plein de choses, surtout si on est un peu plus bon public que moi ou... on a moins lu peut-être de mangas de ce genre. Je pense que ceux qui sont à fond dans le genre verront rien d'exceptionnel là-dedans. Ceux qui ont envie de découvrir un peu ce genre de retour dans le temps, ben c'est une bonne porte d'entrée en fait dedans, parce qu'il y a des bonnes qualités à l'intérieur. Comme je disais, il y a des passages qui sont prenants, qui sont touchants. Ça joue sur le côté nostalgique, le côté voyage dans le temps. Il joue un peu sur la corde sensible par moment. Voilà, on est quand même happé par moment, régulièrement par cette histoire de meurtre. Et donc ça reste un manga que je conseillerais à découvrir. Mais voilà, si vous avez déjà lu des monsters, etc., je pense pas que ça va vous retourner le cerveau. Ça restera sympathique à lire. Donc voilà, donc c'est un peu ce que j'avais à dire sur le bateau de Thésée. Il y a des bonnes choses, mais il y a quelques petits points qui étaient un peu tirés par les cheveux. C'est un peu dommage. Et la partie voyage dans le temps, voilà, on sent que il maîtrisait pas tout, il s'est pas trop pris la tête avec certains trucs. Vous montre un peu le volume 3, et après je pense que ça sera bon. Et je vais lire un peu vos commentaires, j'ai pas eu le temps de les lire. J'étais concentré sur ma réflexion. Ouais, je check un peu mes notes, voir si j'avais rien oublié. Voilà le bateau de Thésée. Alors, qu'est-ce que m'a écrit de beau? Donc, les dessins font penser à Tokyo Revenger. Alors, j'ai pas lu Tokyo Revenger, mais effectivement, il y a un côté très moderne. Et ce côté très moderne, du coup, c'est ça qui est cool, parce que je sais que le public d'aujourd'hui aime bien justement des traits un petit peu plus, un peu plus modernisés que des mangas plus anciens. Et c'est pour ça que je dis que c'est une très bonne porte d'entrée. Ou pour faire lire à un public peut-être un peu plus jeune. Monster est quand même assez complexe par moment, peut-être un peu complexe pour être complexe. Et là, bah, du coup, c'est beaucoup plus accessible. C'est pour ça qu'il faut aussi le voir à quel public c'était, comment dire, à quel public c'est focalisé au final. Là, ça a été mis en seinen, ça reste des jeunes adultes. Après, bon, les genres, voilà. J'ai un peu arrêté de regarder, mais honnêtement, vous donnez ça à quelqu'un qui a entre 15 et 25 ans, il va se régaler. Il va se régaler parce que, surtout s'il a lu plein de succès commerciaux, ben là, lire un truc comme ça, c'est un peu, je pense, le monstre tel que nous, on avait découvert un monstre à l'époque, à un autre niveau, mais ça reste une excellente porte d'entrée. Donc voilà. Salut Stickies, bienvenue à toi. Tout à fait, oui. Après, le lien, ouais, il est expliqué à la fin, oui, tout à fait. Tu pourras te refaire coiffer, j'attends exactement. Est-ce que sur notre série chez Mangetsu t'intéresse? Mais pas trop, parce qu'en fait, comme j'ai vu la manière dont il racontait ses histoires, aujourd'hui c'est ça, hein, c'est le manga d'aujourd'hui, c'est des narrations qui sont très visuelles, très découpées, très cinématographiques, et qui ont assez peu de texte. Et c'est moins ce que j'aime. J'aime les mangas avec un peu plus de consistance. Moi, ça m'embête d'avoir un manga de 200 pages, de le plier en 10 minutes et de passer au suivant. J'aime bien les trucs qui durent un peu plus longtemps. Salut Nico, mais pas de soucis, tu auras le replay quand tu veux. Donc voilà, Ushimi, un bon page-turner, effectivement, en ce terme-là. Alors après, c'est pour ça que j'insiste bien, c'est pas un mauvais manga. Mais pour moi, de mon côté, c'est pas un manga que j'ai envie de garder dans ma collection. Et typiquement, ça, je l'aurais lu en numérique, ça aurait été parfait.
voire dans un abonnement. Je l'aurais lu, j'aurais passé un bon moment malgré tout, et j'aurais passé à autre chose. Là, je l'ai dans ma collection, et ça, je pense que ça partira rapidement. J'ai même pas l'envie, en fait, de le relire, en fait, spécialement. Salut Germain. Alors, le manga suivant. Voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Faut pas hésiter à interagir. C'est le bon moment de le faire. Donc, qu'avons-nous à un manga? Et je crois que c'était Brochette d'agneau, mais il n'est pas là ce soir, tant pis. Un manga, je vous avais montré la dernière fois un achat, et je vous avais dit je le lirai pour ce mois-ci. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est Robocock. À qui ça parle, Robocock? Dites-moi. Hop là, je fais un peu de place. Alors, Robocock. Édition Black Box. Donc du coup, bon, Robocock, j'en avais parlé vite fait en achat. Je vous ai montré quelques images dessus. Moi, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, Robocock. J'avais honnêtement un peu honte de le commander à mon libraire parce que faut voir la jaquette quand même. Hein. Elle est assez explicite avec ce robot. Donc du coup, j'avais un peu honte de la commander. J'ai dit, bon, on va la commander sur leur site. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc du coup, j'ai commandé. J'avais fait une commande avec les Mazinger Z que je suis en train de lire. Je vous en parlerai le mois prochain. Et donc du coup, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Alors, que ce soit clair, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein, c'est une œuvre qui est totalement décalée, qui est assumée, qui est pour un public masculin. Voilà, c'est dedans. Il y a. Alors, je vous montre un peu les images, mais dedans, voilà, il y a un peu d'érotisme, bien entendu. Comment dire, il y a des comportements masculins clairement discutables. Hein, je veux dire, des petites mains au cul gratuites. Des choses comme ça. Alors là, je suis tombé sur les scènes les plus cul, on va dire. Donc du coup, clairement, voilà, ça c'est daté aujourd'hui. Hein. Il y a des choses qui sont clairement datées. C'est même des fois la virilité est clairement mise au premier plan, mais ça se moque aussi de cette même virilité. Hein. On verra un petit peu. Donc en gros, donc voilà, donc c'est un truc qu'il faut pas lire au premier degré. Hein. Si vous lisez au premier degré, si vous êtes team premier degré, voilà, c'est pas pour vous, hein. Vous pouvez partir maintenant. Ça ne sert à rien de regarder ce manga, hein, clairement. Pas... Si vous regardez en replay, vous pourrez passer directement au manga suivant. Donc en gros, on suit l'histoire de Ryohei, qui est un agent de police, qui est lui, qui en fait s'est fait couper son petit bout là, par une sex-droïde. Voilà, une sex-droïde qui, comme on le voit ici, est capable de détruire, hein, parce qu'elle a une sorte de robot inclus. Voilà, on le voit là, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Et donc du coup, Robocop, merci Poppy. Robocop, il a lu, Poppy, il a lu chez moi. Donc ça, il connaît. Et donc du coup, on suit cet agent de police qui s'est fait couper son petit bout là par une sex-droïde, parce qu'il y a beaucoup de robots dedans. Et en fait, grâce à la super intervention d'une professeure ultra sexy, ben du coup, ils vont lui mettre un super module interchangeable d'une arme incroyable pour avoir un pénis en robotisé et même donc interchangeable, donc plusieurs pénis robotisés. Et il va conclure des affaires et bien sûr, il est connu de partout grâce à son super nouveau pouvoir. Alors clairement, hein, c'est la parodie non cachée de Robocop, hein, on est d'accord. Je ne suis pas allé la chercher loin, celle-là. Parce que en fait, Robocop est sorti en 87 au Japon. Et le manga. Enfin, il est sorti en 87. Je ne sais pas si c'est au Japon, mais il est sorti en 87. Et le manga date de 89. Hein, donc voilà. Donc clairement, on va ça. Et puis pour ceux qui ont vu le premier Robocop. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un flic qui se fait démonter par un gang qui est laissé pour mort et en fait ils vont le robotiser et ça devient Robocop. Voilà, ça c'est pour les plus jeunes qui n'auraient pas vu Robocop. Du coup, ben, le manga en gros c'est des mini-histoires, hein, c'est des mini-histoires autoconclusives. À chaque fois, donc avec des personnages qui vont revenir, notamment les méchants.
Ils vont souvent revenir, ou la professeure, etc. Et bien sûr, le personnage principal. C'est clairement débilement drôle, mais ça se veut totalement assumé. Alors, drôle pour l'humour de chacun, bien entendu. L'équipement, c'est n'importe quoi. Hein. L'équipement qu'il met entre ses jambes, à chaque fois, c'est des nouveaux trucs à tête chercheuse, des mitrailleuses, etc. C'est voilà, c'est décalé, c'est assumé. C'est un humour qui est très, très, très grivois. Il y a plein de scènes de cul, bien entendu. Et bien sûr, toujours, 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 avec ben, le grand et majestueux et tout-puissant pénis qui donne beaucoup de plaisir aux femmes, parce qu'on sait que ça marche comme ça, hein, naturellement, ou aux femmes robots. Voilà. Alors, il y a un fil rouge avec les méchants qui essayent de l'attaquer, Seb, mais on va dire que ça reste assez léger, donc ça va être surtout du gag. Hein, du gag avec des nouvelles situations. À chaque fois, ils se retrouvent dans une situation, mais souvent, c'est les mêmes méchants qui sont derrière. C'est plutôt ça. Donc à chaque fois, ben, c'est toujours l'histoire, elle est toujours pareille en fait. C'est toujours l'occasion pour lui de se retrouver dans une situation incongrue. Et à la fin, il doit utiliser son pénis pour donner du plaisir aux femmes qu'il trouve, etc. Pour avoir une scène de cul à l'intérieur ou faire des combats avec sa teub. Voilà, donc il y a même un combat à la fin qui est énorme. Alors, vous voyez, elle la tient à deux mains parce qu'après, c'est toujours de plus en plus gros. Hein. C'est toujours de plus en plus n'importe quoi. Alors, il y a même un moment où on voyage dans le temps, mais vers la fin, genre, il faut que je vous le retrouve, ce passage, il est incroyable. Où est-ce qu'il est? Faut vraiment que je vous le trouve. Hein. Voilà, on y arrive. À la fin, ça va tellement loin que du coup, son ennemi juré se fait greffer deux bras en plus. Ses deux bras deviennent la Big Cook. Elle est tellement grosse qu'elle le tient sur des roulettes. Et pour la déplacer, voilà. Et pour la déplacer, il déplace avec les roulettes. On le voit ici. Voilà. Il a même les petites roues. Ça me fait rire. Je suis désolé. Et ça finit par un combat, un combat de tub, tub contre tub. Et à la fin. Ça finit, voilà, pénis dans pénis. Donc voilà, pour vous dire le niveau d'humour, hein, on est vraiment là au niveau le plus bas. C'est débile, voilà, c'est débile, il faut le prendre comme ça vient. Moi, ça m'a fait rire. C'est parce que, voilà, c'est toujours débile, tout l'humour comme ça, très grivois, ça me fait facilement rire. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a. Donc à chaque fois, c'est une augmentation de la taille, de l'utilité, de tout ça. Et on est toujours avec des situations ridicules, par exemple. Une situation qui m'a fait énormément rire dans le chapitre 2. C'est celui-ci. En fait, à un moment, il se retrouve. Voilà. Il se retrouve enfermé. Je vous montre quelques passages parce que ça vous donne peut-être envie. C'est juste là. Voilà. Il se retrouve enfermé dans un bâtiment avec une vitre à détruire et c'est un robot. Et ce robot, si il arrive à la faire jouir, bien entendu, elle crie. Et ce cri détruit les vitres et les murs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien sûr, il est en mode il arnache comme ça là. Et là, on suit une course-poursuite pour détruire tous les murs. Et c'est juste n'importe quoi à lire. Et on le voit courir. Attends, je ne sais pas si on a une autre page avant. Voilà, c'est ici là. Voilà, on les voit courir comme ça dans la rue, n'importe comment. Voilà, et ça, franchement, c'est très drôle. Moi, j'ai rigolé là-dessus. Mais vraiment rigolé en fait, je m'attendais pas, je fais ok d'accord, on est à ce niveau-là en fait en termes d'humour, c'est débile. Donc voilà, donc comme je disais, c'est de la comédie, hein, c'est du gag manga, les méchants, c'est des méchants idiots, c'est des personnages qui sont débilement comiques en fait, et c'est des situations qui sont toujours faciles, c'est toujours, comment dire, il faut pas chercher autre chose que du divertissement, voilà, c'est, on pose son cerveau, on regarde pas les messages qu'il y a dedans, juste, on rigole, mais c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est. Soit on rentre dans la connerie et ça fait rire, soit on est totalement hermétique et c'est juste nul. Voilà, c'est juste. Si on prend vraiment très premier degré, c'est juste nul. Donc voilà, et pareil, toutes les histoires se valent pas, bien entendu. J'ai rigolé parfois, mais enfin régulièrement. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir dessus. Il n'y a pas vraiment de fin, ça finit, mais c'est une fin vite fait, quoi. On sent que voilà, c'est une fin un peu à l'arrache. Et à la fin, il y a deux histoires. En plus, mais qui sont avec le même, pardon, avec le même personnage, et donc du coup,
Et en fait, ce personnage-là, c'est un personnage qui vient, ils disent, de Junk Boy, mais qui n'existe pas en France. Et en fait, l'auteur a repris son même personnage. Donc voilà, Robocock, je vous laisse faire votre propre avis, hein, on est d'accord, parce que là, là, je ne peux pas vous dire achetez-le ou l'achetez pas, hein, c'est vraiment un humour propre à chacun. Vous savez à quoi vous attendre maintenant avec Robocop? Je vous ai montré plein d'images et de situations. Donc voilà, moi je suis content de l'avoir. Il sera dans ma collection parce qu'en manga décalé et débile, c'est parfait. Mais c'est pas tout le monde n'aimera pas, ça c'est sûr. Alors j'ai vu des fois quelques messages, mais j'ai pas pu tout dire. Le pénis robotisé. Tu as vu le film? Ah oui, d'accord. Bah, je viens de voir. T'as pas aimé le délire Robocop, Bibi? Voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est soit on aime, on n'aime pas. Voilà, ça reste drôle. Mais voilà, on peut être. Bah, sans plus, je sais que Poppy l'a lu, par exemple. Bah, il m'a dit, ouais, bon, c'est rigolo. Mais bon, sans plus, quoi. Mais oui, faut pas chercher plus, faut rentrer un peu dans la connerie, quoi. Voilà, c'est un one shot, ça prend pas de place. C'est exactement ça, comme tu dis, Bibi. Donc voilà, ça fait bien marrer. Alors moi, je suis pas très fan de ce que Black Box sort, Francis et Gunther, là, mais celui-ci, je me suis laissé séduire. Donc voilà. Voilà, oui, il faut éteindre le cerveau, comme tu dis, Poppy. Hein. Mais c'est le délire. Voilà, c'est ça. Comme tu dis, hein, c'est des petits. Il y a un mini fil rouge. En fait, il y a un mini fil rouge en vérité avec les méchants. Mais c'est des chapitres indépendants avec des histoires à chaque fois. Et du coup, chaque fois, on retrouve les méchants qui essayent à chaque fois d'arrêter Robocop. Il y a des interactions entre les chapitres, mais il n'y a pas un lien vraiment à chaque fois. Ça, on reste dans des nouvelles situations. Voilà pour ce manga. Voilà. Alors, manga suivant. J'ai chaud. J'ai chaud. On va parler cette fois du manga que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est La Femme Insecte de Tezuka. Qui a lu La Femme Insecte du coup? Certains avaient l'ancienne édition. Ils disaient tout à l'heure là. Il y en a qui disaient ça justement. Qui l'a lu? En attendant. Hop. Ok, hop là. Alors, je pense qu'il y a un gros décalage aujourd'hui entre YouTube et enfin entre le stream et vous. Je pense qu'il y a un gros décalage. Donc, La Femme Insecte. Alors, comme il y a la réédition, je me suis dit, ben, c'est dommage de ne pas en reparler parce que ça peut peut-être donner envie de découvrir La Femme Insecte à des personnes et savoir si c'est si bien que ça ou pas. Donc toi tu l'as vu à sa sortie, donc tu en as peu de souvenirs. Et bien moi c'est pareil, c'est-à-dire que déjà je le confondais avec le manga Il ou IL. Voilà, bon, les thématiques sont assez proches. Donc du coup, c'est pour ça que je confondais, puisqu'on reste justement sur une femme qui est capable de changer d'apparence entre guillemets, mais là c'est un peu différent. C'est sous un autre prisme. Et du coup, j'ai toujours confondu. Et je n'avais pas de souvenir de La Femme Insecte. Je ne me rappelais pas de ce que j'avais lu. Donc du coup, il faut savoir que c'est un. Ce Tezuka, il a été dessiné en 70 et 71. Donc juste après Under the Air. Donc sous ce manga, sous notre atmosphère. Je ne sais pas si certains l'ont lu, mais en gros, c'est une compilation. Très noir. Hop là, je vais. Voilà. Pour que ce soit plus gros pour vous, ça sera plus agréable. C'est une compilation plus noire de la société japonaise. Clairement, là, l'auteur, il avait pris un virage Gekiga dedans, puisqu'il propose des œuvres qui sont beaucoup plus matures. Avec beaucoup plus de. Enfin, avec moins de digression qu'on pouvait en faire. Et c'est là où il a commencé vraiment à se lancer pour des œuvres adultes. Il avait commencé à avoir des thématiques plus adultes avant, mais c'est là où il a commencé
justement à faire ça. Donc Under the Earth, qui est un très très bon Tezuka. On aura l'occasion d'en reparler quand on fera la mangathèque. Donc La Femme Insecte, qui est sortie chez Casterman à l'époque, c'est un seinen, c'est paru dans un magazine seinen, donc vraiment, parce que dans les années 70, c'est vraiment le moment au Japon où les magazines seinen fleurissent, hein, puisque le public a grandi et ce genre de magazine arrive. Et donc du coup, lui, il a été publié dans le Play Comics, magazine seinen, et on va suivre la très belle et jeune Toshiko, qui est ici. Alors c'est vraiment la femme fatale. Hop là. Voilà. C'est vraiment la femme fatale qui a atteint la reconnaissance. C'est-à-dire qu'elle est ici. Elle a gagné le grand prix prestigieux, donc Akutagawa, qui est l'équivalent un peu du prix Goncourt chez nous, qui décerne les meilleures œuvres littéraires. Et en fait, un journaliste est là et lui dit, mais attendez, vous avez écrit un livre, mais vous avez tout volé à une autre artiste qui vient de se suicider, en fait. Qu'on voit ici. Donc là, je fais attention à mon livre, parce que je vois qu'il est fatigué. Et donc du coup, en fait, parce que sa curiosité, en fait, enfin, son succès attire bien sûr la curiosité. Et on va vite apprendre que cette Toshiko, elle est capable, et on le voit ici, en fait, d'absorber, entre guillemets, du moins de copier parfaitement la capacité ou les compétences de quelqu'un d'autre pour se les réapproprier et pour avoir du succès avec. D'accord? Et au passage, alors c'est pas elle absorbe l'énergie, etc. C'est juste qu'elle est capable de mimer, de recopier le meilleur des autres pour l'utiliser à ses fins personnelles. Et au passage, les autres qui se sentent dépouillés de leur capacité, même s'ils l'ont toujours, mais ils se sentent dépouillés parce que du coup, elle a su prendre leur succès pour en faire le sien, vont souvent aller au désespoir et perdre un peu leur énergie vitale, quoi, entre guillemets. Et d'où un peu le parallèle avec les insectes qui muent en fait et qui se transforment derrière. Donc elle copie les autres en fait un peu pour survivre. Et Toshiko en fait elle va rapidement être rattrapée par son passé. Parce qu'elle va user de plus en plus de stratagèmes pour arriver à ses fins et elle va laisser beaucoup de dommages collatéraux sur son passage. Et en fait, on va la voir évoluer au fur et à mesure donc des rencontres qu'elle va avoir et à chaque fois, elle va prendre ses capacités et s'adapter en fait à la société du Japon pour briller dans cette société-là. Et donc voilà, donc c'est un manga en fait qui a une narration à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez, vous ne savez pas où Tezuka y va. C'est-à-dire que on se laisse totalement porter par le récit. On est là, on lit et on fait bon, ok, mais tu vas aller jusqu'où? Et il faut vraiment arriver à la fin du manga pour dire ok, tu as voulu aller jusqu'à là. Maintenant, j'ai bien compris tes intentions. Et c'est presque là où on réapprécie le manga en le relisant, en se disant maintenant que je vois jusqu'où tu veux aller, je comprends pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Parce que sinon, on lit. Et quand on lit, on se dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? Elle est où ton intention finale? Et c'est à la fin que l'on comprend exactement. Donc du coup, ça c'est important à savoir, parce que ça peut être assez déstabilisant. Hein. Aujourd'hui, dans les mangas, dès le premier chapitre, on vous donne immédiatement le but du héros, son but final, ses objectifs, etc., etc. Et là, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, on vous racontait une histoire et on vous donnait pas toutes les clés et vous avez les clés plus ou moins à la fin. Donc dedans, en fait, Tezuka, il va aborder beaucoup de sujets. C'est ça qui est intéressant dans La Femme Insecte. C'est que déjà, il va clairement critiquer la société de son époque. Donc le Japon des années 70 qui marche toujours aujourd'hui, on va pas se le cacher. Parce qu'à l'époque, c'était le boom économique. Et avec toutes les problématiques mondiales qu'il y avait. Et donc du coup, voilà, ça c'est intéressant parce que ça va, en gros, il va parler de pas mal de sujets sensibles, par exemple, il va parler de la corruption des grandes sociétés, il va parler du pouvoir des hauts dirigeants justement dans ces mêmes sociétés, il va parler d'avortement, ça va parler à un moment de relations lesbiennes.
Pardon, on verra autant les décors comme la mafia sombre japonaise, les bas-fonds que la haute société des privilégiés, voilà, dans des villas luxueuses, etc. Et en fait, les deux se valent clairement en termes de décadence, en fait. Et c'est ça que Tezuka dénonce, en fait. Un peu cette dérive de la société là qui fait n'importe quoi. Et cette femme, en fait, catalyse, représente ça. Alors, il ne faut pas le voir en mode. C'est la femme vénale et mauvaise. Il faut plutôt le voir comme la représentation de tous les maux de la société japonaise. Voilà, ça aurait pu être un homme, c'était pareil en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, voilà, donc, il apporte beaucoup de sujets. Et en fait, il explique à la fin, voilà, c'est qu'il voulait écrire sur une femme machiavélique qui vivait dans la société absurde. Dans laquelle elle vit, une société absurde d'ombre et de lumière. Et ça lui était aussi inspiré d'un roman, La vie des insectes, de Karel Čapek. C'est ce qu'il indique à la fin. Donc en fait, clairement, voilà, il voulait faire cette femme qui n'avait ni remords, qui n'a rien en fait, qui n'a aucune empathie, et qui soit capable comme ça de marcher sur les autres pour arriver à ses fins, qui est voilà, ce qui se passe dans la société où il n'y a plus d'entraide et les gens pensent surtout à eux. Donc c'est ça clairement qui mettait en avant un livre qui a 50 ans, hein, tout simplement. Donc voilà, et en fait c'est vrai que le personnage principal, hein, ben, elle est prête à tout, on le voit, elle fascine, elle aspire le talent, hein, comme je le disais, mais elle a une grande solitude, parce que c'est pas parce qu'elle est au top que ben, elle se sent heureuse en fait, elle se sent très très seule, et il y a une grosse quête d'identité personnelle en fait. Parce que ben, elle n'a pas d'identité, elle ne fait que copier les gens et au final elle-même ne sait pas qui elle est. Et ça c'est très intéressant. Et en plus voilà, comme elle ne fait pas ce que la société attend d'elle, eh ben, voilà, il y a plein de thématiques comme ça. Donc du coup c'est un titre moi que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que ça touche vraiment. Moi j'aime bien Tezuka qui touche à des sujets sensibles de la société. Qui va dépeindre justement la noirceur humaine, comme il a fait dans Sous notre atmosphère, hein, ça me rappelle clairement ce manga-là. Mais comme je disais, c'est un manga assez à l'ancienne, donc il faut presque le lire deux fois pour l'apprécier entièrement, hein, c'est plutôt ça. Et dedans, on voit que c'est fait dans un magazine plus pour adultes, parce que le seinen d'avant n'est pas le seinen d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que le seinen d'avant s'adressait plus déjà un public adulte, alors qu'aujourd'hui on est sur un public jeune adulte. Aujourd'hui, ce sont des shonen violents que l'on lit surtout en seinen, alors qu'avant c'était déjà plus des mangas qui vont clairement plus parler de problématiques sociétales, etc. Et du coup, ben, dedans il y a beaucoup, beaucoup aussi de nudité, hein, vous l'avez pu le voir, ça reste soft, hein, c'est une nudité à la Tezuka. Donc c'est un peu d'érotisme léger, mais il y a de la nudité dedans. Et j'avais pas souvenir d'avoir lu autant de nudité dans un Tezuka. C'est peut-être le Tezuka qui a le plus de nudité à l'intérieur. Donc voilà, donc pour moi, c'est un très bon Tezuka, même s'il est un peu déroutant à la première lecture. Il faut s'accrocher parce que la narration n'est pas la même. Donc je dis plus ça à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des mangas anciens, comme ça. Et moi, voilà, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai presque envie de me relire. Et je trouve d'ailleurs que cette édition-là. Franchement, elle est bien. C'est ce que Saka a fait. Je trouve qu'elle a pas mal vieilli. Je trouve qu'elle est encore très très bien cette édition. Donc voilà, c'est une édition au final de qualité pour l'époque. Ça ne m'empêchera pas, bien sûr, d'acheter la nouvelle édition, puisque vous savez que j'achète tous les Tezuka. Voilà. Donc, je ne sais pas si ceux qui l'ont lu avaient autre chose à rajouter dessus, ou si vous avez des questions, mais c'est un bon Tezuka, très psychologique sur le personnage qui évolue. Franchement, très très bien. Alors, je remonte un petit peu vos messages. Donc, toi, Bibi, tu as adoré La femme insecte, ça fait plaisir. Donc, c'est dans ta palle, Boris. Donc, voilà. Donc, toi, Francis, comme tu disais, alors, tu l'avais lu, mais plus de souvenirs. Tu l'as lu, tu as bien aimé, Musashi. Donc, toi, Nico, ça sera l'occasion de la découvrir. Donc toi, Matojora, c'est un premier Tezuka. Alors effectivement, un premier Tezuka, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Et après, voilà, moi, la première fois que je l'avais lu, c'est pareil, je l'avais bien aimé, mais il m'a pas laissé de souvenir.
Là, quand je l'ai relu, même si j'ai quasiment tout oublié, hein, quand je l'ai relu, j'ai fait, ah oui, d'accord, non, franchement, c'est un bon Tezuka. Mais c'est pas un bon Tezuka qui te saute au visage la première lecture. Je pense que la deuxième lecture est mieux. Donc toi, Seb, tu as du mal avec le dessin, ce qui est dommage parce que tu passes à côté de beaucoup d'œuvres anciennes. Le dessin, c'est qu'une composante de l'histoire. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc toi, Tic Tac, ça t'intéresse sur l'évolution psychologique du personnage, tellement présent dans la réalité. Voilà, les personnes qui absorbent la vitalité de leur environnement. Et oui, c'est toujours d'actualité, je trouve. Hein. Alors, et il, c'est juste une autre œuvre. Attends, c'est une œuvre juste après. Alors, il a été fait, je crois, en 74. Laissez-moi vérifier ça. Chronologie. Chronologie Tezuka. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on est ici. Voilà. Non, voilà, il a été fait avant. Là, vous avez. Oh, je vais zoomer. Hein. Donc là, on est en 70. Vous avez Under the Earth qui a été dessiné là. Il qui a été dessiné là. Et la femme insecte qui a été dessinée ici. Donc on voit que c'est juste après Il et Under the Earth. Et ça reste des thématiques un peu pareilles, puisque quand j'avais parlé, rappelez-vous, j'avais parlé de Il pendant. Alors, je ne sais plus quel live c'était, je vais vous dire. La lecture. J'essaie de les noter pour pouvoir vous dire quand c'est. Il. Non, il n'y a pas le. Non, je ne l'ai pas parce que là, il en plus, c'est un nom un peu. Non, non. Non, mais je ne l'ai pas noté celui-là. Et. Ah oui, bah oui, là, t'arrives quand ça parle de Tezuka, Max, là. Et donc du coup, la thématique, c'est que c'est pareil, c'est une femme qui est capable de prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et qui du coup, comme un personnage de théâtre, va remplacer la personne. Donc voilà. Donc merci, tu m'as donné d'y retourner. Sous l'atmosphère également, le trou de ma palle, oui. Bah, écoute, c'est deux bons Tezuka, donc c'est l'occasion là. C'est l'occasion de la passer au-dessus de ta palle. Hein. La capsule Tezuka. Je vais peut-être ouvrir une chaîne spéciale à capsule Tezuka. Je vais faire une vidéo à l'année du coup. J'aurai pas le temps d'en faire plus. Donc voilà pour la femme insecte. Donc vous pourrez découvrir ça bientôt pour la fin du mois. Donc je suis très content de l'avoir relu. Tu vois, c'est l'occasion pour moi de relire comme ça des vieux Tezuka. Et c'est un Tezuka qui est assez dense en info et même en comment dire dans le côté où à un moment, elle se retrouve avec des dirigeants d'entreprise et tout, avec des manigances politiques et tout. Et dans l'intrigue même, je la trouve assez complexe à suivre en fait. Hein. On sent les jeux politiques, les jeux de pouvoir, les jeux d'argent, etc., qu'il y a dans là-dedans, les pots de vin, etc. Et j'essaie de bien suivre tout ça. Et au moment, ok, bon, je me laissais guider par l'histoire parce que je ne comprenais plus exactement le détail, la finesse justement des poufourris qu'ils étaient en train de mettre en place. Mais en tout cas, pour Tezuka, c'est très clair. Alors, manga suivant. On y va. Je suis chaud pour la capsule Tezuka. Là, ça va être compliqué, les gars. Le manga suivant, Fuir pour boire ma solitude. De Kabi Nagata. Qui avait lu les deux premiers et qui a lu celui-là? Dites-moi. Dites-moi qui l'a lu. Donc là, c'est le troisième volume sur l'autrice. Hein. Du coup, alors, pour ça, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mangaka, c'est des biographies, des autobiographies même. D'une mangaka qui est très torturée personnellement, qui raconte sa vie en fait à l'intérieur, enfin du moins qui va surtout raconter ses malheurs. Dans les deux premiers volumes, hein, alors, enfin, comment dire, moi déjà perso, moi j'aime beaucoup les autobiographies, je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'on découvre des parcours de vie, des vécus qui sont tellement éloignés des nôtres, parce que chacun a son propre parcours. C'est très intéressant pour comprendre en fait justement ce qu'ils vivent
les difficultés. Parce que des fois, on se dit, mais comment les gars, ils arrivent à ça mais pourquoi ils veulent pas s'en sortir? Pourquoi si, pourquoi mi? Parce qu'on juge très facilement. Parce qu'en fait, on n'a pas le contexte, on ne sait pas comment cette situation est arrivée. Et du coup, bon, du coup, c'est très intéressant d'avoir ce point de vue expliqué et de se dire, ok, je comprends mieux pourquoi c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les autobiographies. Donc, j'ai lu les deux premiers, et les deux premiers, elles racontent justement son aventure sexuelle tarifée et sa dépression, puisque elle a une trentaine d'années, elle était encore, elle est. Elle a des problèmes sociaux, elle arrive du mal à sortir chez elle, à parler aux gens, etc. Et elle était encore vierge, et du coup, elle souhaitait rencontrer quelqu'un, et elle va voir une prostituée. Voilà, elle raconte toutes ces choses-là. Et elle parle beaucoup de sa dépression et de l'impact que ça a sur sa vie. C'est ce qu'elle met en scène, en fait, et qu'elle raconte avec beaucoup de sincérité. Et c'est ce que j'avais énormément apprécié dans ces deux premiers volumes. Il y avait beaucoup de sincérité dans la façon dont elle racontait. C'était vraiment comment dire, à cœur ouvert qu'elle disait tout ce qu'elle pensait. Et c'était très touchant, en fait, de voir ce qu'elle a vécu. Et c'est ce côté sans tabou, et ce côté justement où histoire vraie, je trouvais que ça c'était très très intéressant à lire. Donc du coup, en fait, là, elle revient sur une autre partie de sa vie qui est son hospitalisation. Alors, il y a du tonnerre dehors, je ne pense pas que vous l'entendez dans le micro, mais si des fois il pleut et que ça coupe, c'est que c'est l'électricité qui aura coupé. Hein, donc voilà, ne soyez pas surpris. Et si ça coupe, ça coupe. Donc voilà, merci Seth d'être venu. Donc du coup, voilà, tu as lu le premier, tu as eu du mal avec son personnage, pas lu les autres. Mais son personnage, c'était elle, hein, donc du coup, hein, c'est clairement elle. Alors, là, du coup, dans son hospitalisation, d'accord? Alors, toi, du coup, c'est des sujets qui te posent problème, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mangas qui sont sortis sur le cancer, sur des choses comme ça, et je peux comprendre que ce soit des sujets qui sont très sensibles et bloquants. Moi, j'essaye, enfin, je reste toujours curieux de ces sujets-là. Donc là, elle revient sur son hospitalisation, et le premier point qui saute aux yeux, c'est que dans les premiers volumes, pour ceux qui s'en rappellent, ce n'était que des bandes verticales, horizontales, parce qu'en fait, c'était pour un blog. Et là, c'est au format manga. On a vraiment des cases, on a vraiment une narration comme ça. Donc ça, elle explique d'ailleurs un peu plus tard dans l'œuvre pourquoi. Et ça, déjà, c'est appréciable, parce que j'avais trouvé dans les deux premiers livres que c'était assez lourd de lire par bande ça. C'est très limité en fait, ça faisait très répétitif en termes de lecture. Et donc là maintenant qu'elle est partie sur un format plus manga, je trouve ça plus agréable. Et donc là, comment dire, elle réussit quand même à rendre ça intéressant au niveau de son propos. Et en fait, là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trop bu, tout simplement, parce qu'elle a une pancréatique aiguë due justement à un excès d'alcool. Parce que bien sûr, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On boit plus, et elle a bu sans s'arrêter. Et donc, ce qui fait que elle a une maladie clairement d'alcoolique, quoi. Et elle va raconter tous ses problèmes, ses douleurs, les perfusions, le fait qu'elle va devoir accepter un traitement à vie, etc. Et donc, du coup, on va vraiment suivre tout son cheminement psychologique, etc. Et donc, du coup, voilà, sur le principe, ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, dedans, elle va faire des références à Takemiya de Destination Terra ou à Tsuge. À un moment, elle est là avec sa perfusion et elle fait une référence à la vis. Je trouve ça assez cool. Et en fait, dans la première partie, ça va être son séjour à l'hôpital, mais dans la seconde, déjà, c'était beaucoup moins intéressant. C'est-à-dire que elle ne savait pas trop quoi faire. Elle essayait de faire du manga, etc. Puis finalement, jusqu'à décider de faire ce livre. Et elle raconte tout ça. Et ça, je trouvais que c'était pas hyper intéressant. Alors je comprends l'idée, ce qu'elle voulait faire et tout, mais honnêtement, elle aurait pu le résumer. Et ça fait un peu remplissage, parce que le livre, il fait que 140 pages. Hein. Et ce qui fait que déjà, sur 140 pages, si tu as presque la moitié, c'est du remplissage. Voilà, sachant qu'il vaut quand même 16 balles, hein, ce livre. Hein. Il est quand même pas donné. Hein. Donc j'étais un petit peu déçu en fait de ce volume 3. Parce que les premiers, c'était toute une partie de sa vie qui était racontée, comment dire, de manière plus synthétique
et sur deux volumes, ben là, elle raconte au final un séjour en hôpital et sa reprise du manga en un volume aussi. Donc, ça rentre trop des fois dans le détail pour des choses qui sont pas du tout utiles en fait. Donc voilà, donc ça, c'est un peu ce qui m'a déçu. Et de manière générale, je trouve ça assez décevant, celui-ci. Autant les deux premiers, j'ai beaucoup aimé. Même si, bon, comme tu le dis, Matojura, moi aussi, hein, je trouvais qu'il y avait un peu de redite, hein, sur des pages et tout. Mais j'avais quand même aimé les deux premiers. Donc, même si oui, je comprends que ça a pu te lasser, c'est tout à fait. Mais moi, celui-ci m'a un peu plus lassé déjà. Voilà, là, autant toi, tu arrives au volume 2, moi, c'est ce volume 3 qui m'a un petit peu saoulé. Mais il faut savoir que, en plus, elle a teasé sur un volume 4. Et donc, j'ai fait, bah, attends, comment c'est un volume 4? Un volume 4 où elle veut trouver l'amour. Et ce volume 4, justement, il est paru en anglais. Alors, je l'ai pas acheté. Mais on a sur Amazon. Voilà. Et en fait, ben, elle va parler de son mariage. Alors, vu la gueule du truc, ça va être en tout cas arrangé, en tout cas à l'arrache. Je ne sais pas trop ce qu'elle va faire. Mais ça n'annonce rien de bon. Et en fait, on a. Hop là, je vous mets la, je vous mets l'aperçu. Et en fait, on va retrouver Kabi Nagata ici, puisque là, elle parle justement de ses deux premiers livres. Alors, il y en a quatre là, pardon, parce que il a été dans l'édition française, il a été fusionné en un. Donc, de ses quatre premiers livres, et elle va raconter son mariage. Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous dire plus. Qui, je pense, n'a pas dû se passer comme elle voulait, hein, sinon voilà. Et ça. Je suis moins intéressé pour lire celui-ci, par exemple. Déjà celui-ci à 16 euros, je suis resté un petit peu sur ma faim, hein, on peut le dire. Avoir en plus un volume que sur le mariage, je sais pas, je sens qu'elle tire un peu sur la corde malgré tout. Le truc que j'ai trouvé sympa, par contre, dans cette édition, et je sais pas si c'est un truc spécial ou pas, mais c'est que. Si vous regardez bien, alors je ne sais pas comment ça va sortir, mais c'est orange et ça fait très stabiloté. Et j'ai l'impression que c'est une couleur un peu spéciale qu'ils ont dû prendre. Parce que d'ailleurs, quand on regarde les aperçus au format numérique, ben c'est un orange un peu dégueu en fait. C'est pas ce orange-là. Je pense que c'est un orange un peu spécial qui brille. Ils ont dû sûrement trouver une couleur particulière pour le faire. Donc voilà, donc ça je trouvais ça assez cool. Le rendu, dans les autres c'était rose, c'était un peu lourd aux forces, mais là l'orange ça change un petit peu. Voilà, donc moi je vous recommanderais quand même les deux premiers. Les deux premiers étaient bien, surtout le premier, comme tu dis, Matojura. Le deuxième est bien aussi, mais on sent que le concept tire un petit peu. D'ailleurs, on aurait peut-être pas dû faire deux volumes, mais peut-être plus qu'un. Et le troisième, voilà, je vous le recommanderais moi. Donc voilà pour celui-ci. Allez hop, on le pose. Alors le prochain. Le prochain. Donc ça va être ici. On va fonctionner comme ça parce que je ne les ai pas. Alors un instant. Voilà. On va plutôt fonctionner comme ça. Et je vais vous partager mon écran. Alors, je vous mets des aperçus parce que je n'ai pas les livres. Toc. Toc. On va parler de Fable. Qui a lu Fable? Hop là. À toi, tu avais lu Mon père alcoolique et moi. Oui, c'était intéressant. C'était assez dur à lire, mais c'était intéressant. Hein. Celui-ci, Mon père alcoolique et moi. Tout à fait. Je l'ai dans ma collection. Alors, Fable, c'est un manga qui est très très intriguant. Parce que l'année dernière, en fait, j'étais aussi en vacances avec Mythos et j'avais pu lire les deux premiers volumes quand j'étais en vacances avec lui. Et je ne savais pas si j'avais vraiment aimé ou pas. Donc, alors pour l'autre manga, il vaut mieux le lire dans l'ordre. Hein. C'est son évolution, il vaut mieux le lire dans l'ordre. Donc ouais, c'est mieux. Pour le manga de Kari. Ah, j'ai oublié son nom.
Nagata. Kabi Nagata. Donc du coup, fable. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, cette année, je vais prendre la suite et je vais les lire. Et du coup, ça m'a. Il y a 8-9 volumes, mais ça m'a tellement plu que j'ai tout lu. C'est-à-dire qu'après, je suis allé choper des fichiers en anglais. Et en français et en anglais, je m'en foutais. Et j'ai tout lu et j'ai même lu le premier volume de la deuxième partie. Voilà, parce que j'ai kiffé Fable. Donc en gros, Fable, de quoi ça parle? Alors comme là, j'ai pas les livres et j'ai pas encore acheté les versions numériques, parce que du coup, les autres, on les avait prêtés et ensuite j'avais enchaîné. Du coup, je vais vous montrer des extraits. Donc du coup, pour Fable, en gros, Fable, c'est un tueur légendaire qui est extrêmement bon dans son métier, d'accord? Qui est tellement bon en fait qu'on va un peu lui demander de ralentir, hein, de ralentir la cadence. Et en fait, son chef, ce de Yakuza là, va lui dire, bon, merci Nicolas de passer. Merci beaucoup. Et oui, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est gentil Nico de le rappeler. Et donc du coup, ben, en fait, on lui demande de prendre sa retraite et de se mettre au vert. Et donc d'être un petit peu calme et d'avoir une vie normale à la campagne. Et il va se retrouver à vivre la vie d'un citoyen classique. Donc sauf que pour lui, c'est tout sauf simple en fait, hein, parce qu'il vit pas du tout dans le même monde que les gens normaux. Et dans cette histoire, en fait, il va être accompagné d'une autre personne qui va se faire passer pour sa sœur. Alors bien sûr, il est envoyé, je vous montre les previews. Alors bien sûr, il est envoyé dans un petit bled, voilà, dans une sous-branche du clan Yakuza, mais personne ne connaît sa véritable identité. Hein, c'est-à-dire que tout le monde pense que ben voilà, c'est un gars normal, mais le clan, ben les gars du clan se disent c'est bizarre quand même. Attends, hop, j'aimerais vous mettre le 2. Voilà. Et hop. Voilà, Fable 2. Et les gars du clan, du coup, ils sont là en mode, bon, ok, nous envoie ça, mais qui sait quoi? Donc ils vont essayer de les mettre un petit peu, les deux, là, lui, là, donc Fable et sa fausse sœur, de les mettre un petit peu comment dire, à l'épreuve, tout simplement, hein, parce que, bah, pourquoi ils sont là, etc. Donc ils vont être testés malgré eux régulièrement. Et c'est ça qui va être drôle, en fait, c'est que la particularité de Fable, c'est que... C'est pas du tout un city hunter. Hein. Un city hunter, c'est très décalé dans les situations. Là, on reste toujours avec des personnages qui sont ultra sérieux, en fait. Et c'est ça qui est drôle, parce qu'il y a un décalage entre le comportement des personnages et des gens normaux autour. Et c'est ça qui est vraiment très, très drôle à lire, en fait. Et des fois, ça rappelle un petit peu des vibes un petit peu à la GTO, en fait. Alors, hop là. Alors lui, voilà, il se balade à poil chez lui tout le temps. Et ça rappelle un petit peu des vibes à la GTO. Mais une fois qu'on a compris le mécanique d'humour et compagnie, on s'éloigne clairement de GTO dans l'ambiance. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, genre, on va leur demander au moment d'avoir un animal de compagnie, il va acheter une perruche. Hein. Voilà, où on lui demande de trouver un job et il va trouver genre un job de livraison. Mais avec les autres, il se moque de lui. Enfin, il se fait souvent moquer, etc. Donc c'est assez drôle. Moi perso, j'ai adoré la série. J'ai vraiment lu l'intégrale. Hein, donc j'ai vraiment lu la première partie en entier. Et franchement, il y a une ambiance particulière, mais que j'ai clairement kiffé. Et déjà visuellement, vous le voyez, c'est assez spécial, c'est très particulier. On dirait en fait qu'ils ont recopié des photos pour les décors. On voit que c'est assez visible, mais pour les personnages, on dirait un peu comme de la rotoscopie à refaire en fait les visages. Et ça donne des situations très particulière en fait, et c'est ça qui est très rigolo, et j'aime beaucoup en fait le dessin de Fable, fait partie aussi de l'humour et de sa particularité. Donc moi, comme je disais, voilà, j'avais beaucoup aimé la réaction des persos, j'avais beaucoup aimé les situations qui sont géniales à lire. Par exemple, des fois la sœur qui se fait bien chier, clairement chier, elle hop là, ici, allez, extrait. Elle n'arrête pas de boire quand elle est chez elle. Et quand elle s'ennuie, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, on la voit là, par exemple, elle est de retour de soirée. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle s'amuse avec des gars, elle les ramène chez eux, mais ils n'arrivent pas à conclure. Parce que chaque fois, elle arrive à les saouler assez, puis les faire tomber, et elle est morte de rire, elle se délecte de ça.
Mais c'est très 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 drôle à lire en fait. C'est très drôle à lire. Donc du coup, chaque fois, leur personnalité est vraiment excellente en fait. Et puis l'auteur, il est très fort pour faire ces personnages qui au final deviennent attachants avec le temps en fait. Alors Fable, comme vous avez vu, il est toujours à poil chez lui, dans sa baignoire, voilà, etc. Il y a vraiment, c'est une réussite en fait de ce côté-là parce que tous ont leur propre caractère, chaque personnage a leur propre caractère et c'est ça qui est cool, c'est qu'on reconnaît bien, ils sont logiques en fait les personnages dans leur caractère à chaque fois. Et en plus, bon, mais ça épure régulièrement parce qu'il y en a qui se font tuer, etc. Il n'est pas très tendre avec tous ses persos. Donc là, par contre, en termes de narration, Fab, ça se lit assez vite, hein. Vous voyez, il y a peu de cases, assez peu de textes au final, même si là, c'est des zones avec des textes, mais quand il commence à avoir un petit peu d'action, etc., déjà, c'est très badass, ça, c'est plutôt cool. Et il n'y a pas trop non plus de surenchère de pouvoir. On n'est pas là, le mec, il est capable de sauter 10 mètres et compagnie et tout. On reste assez logique, même s'il y a des mecs plus balèzes qui arrivent, souvent, c'est des mecs très malins, en fait, qui arrivent après et qui essayent de piéger, ce qui est assez différent, en fait. Donc voilà, et ça se lit assez vite, mais ce que je reprochais au bateau Thésée qui était assez aéré, là c'est moins gênant. C'est moins gênant, le découpage cinématographique marche plutôt bien, et c'est très cool, moi ça m'a pas posé de problème quoi. Donc je vais pas vous dire plus sur les éléments, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est très drôle à lire, c'est super cool, et je trouve que voilà, alors ça se découpe en arc, hein, bien sûr, l'histoire. Et la partie 2, c'est la suite directe de la partie 1. La partie 1, c'est une sorte de. Ça conclut quelque chose, et puis ensuite, il part sur une partie 2. C'est une suite qui est quasi directe. Et voilà. Donc là, il faut être patient, parce que ça met beaucoup de temps à sortir. Et moi, je suis très content de l'avoir lu d'un bloc, parce que j'étais vraiment à fond dedans, et j'ai pu vraiment rigoler et passer des bons moments un peu badass là-dedans. Donc voilà pour Fable. Je sais pas si ça donne envie à certains de le lire, mais en tout cas, c'est ma critique sur Fable, quoi. Il tonne dehors, j'espère que ça va pas couper. Alors, je vois qu'on a pas mal, on est encore 21. C'est très cool. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Fable? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent le lire? Hein, parce que je vois Zeno, l'a lu, qu'il adore. Et franchement, je peux que vous conseiller de le lire. Ah, là, il pleut très très fort dehors, hein, je vous le dis. Alors, je vous propose de passer au manga suivant. Alors, Fable, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps, mais le problème, c'est qu'après, je vous dévoilerai ce qui se passe. En tout cas, sachez que voilà, le tueur en série va être souvent mis à mal, clairement. Il va souvent être mis à mal, il va souvent devoir interagir malgré lui, mais la manière dont ça se passe, je trouve que c'est plutôt bien fait et c'est très très cool. Ben en fait, c'est la suite en fait. C'est-à-dire que Boris, la partie 2, c'est vraiment la suite. Il n'y a pas de. Il y a... Des arcs se finissent. Et les arcs se finissent en fait. Et puis ben, la partie 2, c'est un nouvel arc au final. C'est un nouvel arc avec quelques changements dans les objectifs de la série. Mais c'est tout. Et en fait, c'est une série qui se lit en fait comme ça, ça se picore en fait, tu vois, c'est une série un peu popcorn. Et c'est typiquement la série, pour moi, c'est à voir en numérique. C'est-à-dire que ça prend trop de place en papier, et tu l'as en numérique et c'est parfait. C'est parfait. Et tu peux acheter, il peut faire 50 tomes, moi ça me dérange pas. Je prends plaisir à les lire. Ouais, donc Max, effectivement, il me voyait rigoler sur ma tablette. Et donc du coup, il regardait pas mon écran, il se cachait comme ça pour pas le voir. Allez, je propose de passer au manga suivant. Un manga qui va plaire à Max. The Ghost and Lady de Fujita. Ghost and Lady de Fujita. Oui, mais Boris, quand on aime, on compte pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, Ghost and Lady, donc voilà, on va parler un petit peu de Fujita. Alors, je vais remettre un. D'ailleurs, vous l'avez vu, il était sur la jaquette. J'essaye de mettre quelques bouquins à chaque fois sur la jaquette. Est-ce que je peux mettre le deuxième encore? Ouais, c'est mieux. Alors, on va parler un petit peu de Fujita Kazuhiro.
En ce moment, il a quand même pas mal le vent en poupe, hein, cet auteur, parce qu'il y a la belle édition de Karakuri Circus. Donc voilà, et là, en avril, hein, donc ça fait déjà 5 mois, je vous avais parlé de Springal. J'ai mis 5 mois pour lire Ghost and Lady, hein. Et donc du coup, ben là, on reprend la série des Black Museum. Hein, pour rappel, le concept, c'est qu'il y a une personne qui vient dans un musée particulier de Londres. C'est un musée avec des pièces à conviction d'enquête criminelle. Et par rapport à l'objet que la personne demande, ça va raconter une histoire et découvrir le lien qu'il y a entre la personne et cet objet. Et dans Springal, dans le premier, donc Springal, c'était pour rappel, c'était les ressorts de Jack Talon à ressort qui étaient demandés, qui était une sorte de parodie de Jack l'Éventreur, qui avait une très très grosse partie fantastique. Et là, c'est un peu pareil, sauf que le côté historique, en fait, il est un petit peu plus prononcé. C'est-à-dire qu'en gros, ça se passe pareil au 19e siècle. Et on va suivre Florence Nightingale, une jeune fille de bonne famille qui est là, qui souhaite faire un métier infirmière qui n'est pas du tout pour sa position sociale. Et elle va aller chercher un fantôme qui squatte un théâtre et lui demander ben, de la tuer si elle tombe dans le désespoir de sa vie un peu imposée. Et au final, ben, cette Florence, elle va quand même poursuivre son rêve. Et c'est une personne en fait qui a réellement existé. Si vous tapez Florence Nightingale sur Wikipédia, elle a vraiment existé. Et elle a, c'est une personne qui a su développer le système médical à Londres. Donc ça, c'est vraiment très très cool parce que ça reprend vraiment des personnages historiques de manière fantasmée avec un côté fantastique, mais qui est moins présent que dans le premier. Et c'est ça, voilà, le but, c'est aussi de le rendre divertissant. Donc c'est presque étonnant parce que le premier, voilà, côté fantastique était plus assumé. Là, il est un peu plus en retrait, même s'il est très présent. Attention, hein. Mais on sent qu'il a bien suivi l'histoire et l'évolution de Florence Nightingale pour créer son récit et rajouter du fantastique autour. Ah, donc c'est ça qui a... Et d'ailleurs, on le voit, c'est que à la fin, il y a beaucoup de notes. Est-ce qu'on le voit ici? Non, c'est à la fin du 2. Il y a des pages qui m'avaient assez surpris. Voilà, la biographie, il y a tout ça de biographie. Donc on voit qu'il a passé beaucoup de temps de recherche sur l'époque et sur ça. Et donc du coup, en termes de lecture, comment dire, c'est un truc que je voulais lire avant de partir en vacances. Et en fait, Fujita, ça parle énormément. Alors des fois, je râle que ça parle pas assez, mais alors là, qu'est-ce que ça parle? Il est pas avare en texte, hein, Fujita. Donc ça reste toujours cool et intéressant à lire, mais il est clairement pas avare en texte. Et donc du coup, j'ai réussi à lire avant de partir en vacances, mais c'était un petit peu sport. Alors après, il parle beaucoup, mais c'est un peu sa particularité aussi, hein. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant dedans, en fait, c'est que il y a pas mal d'influences. On sent les influences de JoJo Bizarre Adventure et Hunter x Hunter. Pour ceux qui ont lu Hunter x Hunter, dans le dernier arc, il y a des spectres là qui sont faits en naine, voilà, en naine, qui sont des représentations, sortes de représentations un peu métaphysiques, je ne sais pas trop quoi. Et en fait, voilà, on va les voir là, derrière les vieilles, en fait. Et en fait, on a une sorte de mélange entre JoJo et Hunter x Hunter, des personnages assez crado comme ça derrière. Donc c'est assez, voilà, on le voit là aussi. C'est assez surprenant. Ils sont très crades, très malsains. C'est presque étonnant, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est étonnant aussi, enfin, étonnant, je n'ai pas assez lu de Fujita, mais il y a pas mal de scènes de nudité aussi dedans. Beaucoup dans le premier volume, donc voilà, il a un petit point supplémentaire pour le côté boobs. Hein, je tiens à le dire, c'est le petit point bonus que j'offre quand il y en a. Donc voilà, donc du coup, on a le récit, honnêtement, il se focalise vraiment sur cette femme, en fait, qui s'est battue pour ses convictions, avec énormément de résilience. Avec toutes les problématiques qu'elle a eues pour faire ça, c'est vraiment super. Qui a vraiment défié son statut de vie toute tracée. C'est vraiment génial en fait qu'il ait pris un portrait comme ça de femmes qui ont su marquer l'histoire et couplé avec les péripéties personnelles en fait du fantôme.
qui est développé en parallèle et qui fait ce duo de personnages. De manière générale, c'est très très cool à lire. Alors, toi, Zeno, effectivement, tu dis qu'il y a des moments qui paraissaient un petit peu longs. En fait, ça parle beaucoup. Donc, c'est vrai que il développe, il parle énormément. Donc, quand on a envie de le lire rapidement, c'est sûr que ça peut paraître un peu lourd et long. Moi, ça va, ça m'a pas trop dérangé. J'ai pris du plaisir à lire la série. Et franchement, c'était un très bon Fujita. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les planches sont vraiment super belles de manière générale. Il y a énormément de références au théâtre. On voit que c'est un passionné de théâtre, l'auteur. D'ailleurs, un peu comme Tezuka, en fait. Tezuka est un gros passionné de théâtre. Il a fait des mangas sur le théâtre et tout. Et là, pareil, on voit qu'il est très documenté. Donc, presque dommage, en fait, c'est que c'est un petit format. J'aurais clairement apprécié avoir un format plus grand. Je pense que ça aurait été mieux encore pour apprécier ses dessins. C'est un peu petit, en fait, ce format-là. Waouh, ça tonne, hein. Donc voilà, donc pour moi, c'est une bonne pioche, Ghost and Lady. Même si, comme je disais, c'est très dense. Voilà. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait donc aussi un troisième volume qui sortait au Japon, qui est sorti au Japon, qui s'appelle, alors en anglais, il s'appelle Dance with Monster on the New Moon. Ok. Donc voilà, la planche, le truc est là. Donc une sorte de momie Frankenstein qui est là. Et Kiyun avait partagé une page couleur dessus. Et là, on voit plus Frankenstein ici. Voilà. Donc, à voir. Moi, je l'achèterai avec plaisir. Donc, je pense que Frankie sera de la partie. Voilà. En espérant que ce ne soit pas Frankie Vincent. Hein. Voilà, c'était pour tout pour moi, pour mes blagues. Donc voilà, pour moi c'est une bonne pioche, franchement c'est un très bon manga. Ça aurait mérité voilà, un meilleur format, je pense, en plus grand, mais j'ai été très très surpris par le choix de Fujita, justement, de prendre une figure féminine historique, c'est très très cool. Par contre, des planches sont quand même très très chargées, donc c'est très dense, il noircit énormément ses planches. Voilà, pas plus sur Ghost and Lady. Si vous n'avez pas encore fait le pas, c'est l'occasion. Alors là, on va parler de deux mangas en anglais. Ça va aller assez vite parce que c'est des mangas qui sont courts. La dernière fois que j'étais allé à Paris pour la Japan Expo, j'avais passé quelques jours à Paris et j'avais acheté du Glacé Bay Books et j'avais acheté Rabbit Game. Et Rabbit Game, je savais pas trop de quoi ça parlait. J'ai vraiment acheté un peu les livres au hasard. Et je suis allé en mode exploration complète hein, et découverte. Donc en gros, c'est une histoire courte qui fait à peu près 80 pages, qui coûte quand même 12 balles, hein, donc c'est pas donné. Et j'ai dû la lire deux fois pour comprendre, hein, parce que j'avais pas tout compris. Et c'est, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une camarade de classe, une lycéenne, qui est clairement chelou. Qui demande genre si vous avez déjà mangé du lapin mort, tu sais, tout comme ça, et qui dit que c'est une princesse, une sélénienne, donc elle qui vient de la lune. Donc la meuf, on sent qu'elle est un peu timbrée hein, de ce côté-là, et elle va donner un jeu vidéo à un ami, et cet ami va être aspiré dans le jeu vidéo où le rêve et son monde spécial va se mélanger avec la réalité. Et donc en fait, on se demande qui est cette fille en réalité. Et ça va aborder certaines thématiques de ce que j'ai compris, comme le deuil par exemple. Mais il y a beaucoup d'incohérences dedans. J'ai eu du mal, comme je disais, à tout comprendre, à le lire. Alors, je ne sais pas si est-ce que c'est parce que c'est l'anglais, est-ce que parce que c'est le format qui est l'histoire qui est compliquée. J'ai eu du mal à comprendre les personnages et les interactions. J'ai pas compris la fin du tout. Donc je suis un peu resté sur ma fin parce qu'il y a zéro explication au niveau du livre. On arrive à la fin, c'est fini, dernière page. Donc du coup, j'ai pas pu comprendre toutes les intentions de l'auteur, même en lisant deux fois. Donc c'est un peu le genre de manga qui a une intention de base, qui sont plus un peu des concepts, des tentatives de faire des choses. Donc c'est des expériences en fait, ce genre de lecture. Et c'est pareil, j'aimerais bien que quelqu'un qui maîtrise bien mieux l'anglais me dise ce qu'il a compris. Parce que là, moi, je reste un petit peu sur ma faim sur ce livre. Donc voilà, donc les plus aventuriers pourront essayer de ce livre-là, Rabbit Game chez Glacier Bay Book. Moi, de mon côté, pour l'instant, je reste encore sur ma faim, même si
En soi, l'univers était intrigant, hein, c'est surtout ça. Donc voilà pour celui-ci. Je lui dis, ça sera assez rapide parce que c'est un petit format de 80 pages, donc c'était assez court. Et le deuxième, c'est Ripple. C'est quoi? C'est des ondulations, je crois, Ripple, ça veut dire? Celui-ci, alors c'était un peu compliqué, pareil, j'ai dû le lire deux fois. Alors j'ai lu avant mes vacances et après mes vacances parce que j'avais tout oublié. Je l'ai relu aujourd'hui d'ailleurs pour le live de ce soir. Et donc de ce que j'ai compris, c'est une sorte de longue introspection. Attends, comme c'est un grand format, hop là, je vais virer ça. C'est une sorte de longue introspection d'une fille qui se balade dans un pays, en fait, qui est à la frontière entre la vie et la mort. Donc visuellement, on voit que c'est assez particulier. Et en fait, c'est plus un moyen pour l'autrice, je crois que c'est une autrice d'ailleurs, ouais, qui est Hagiwara Rey, de parler un petit peu des émotions humaines, en fait, du chagrin, un peu de nos mécaniques de notre cerveau aussi pour affronter ça et s'en servir, mais de manière très imagée. Ça fait un peu rêve éveillé, en fait, une sorte de représentation mentale du processus que l'on met pour au travers de différentes interactions ou de souvenirs. C'est un peu ce que j'ai compris de ce manga. Parce que ça mélange des lieux différents. Voilà, on se perd. Voilà. Graphiquement, en fait, on voit que tout est pareil. Tout est très gris. On a du mal à distinguer les formes. On a des formes qui se transforment. On navigue, on marche à vue. On est parfois dans le noir. Voilà, il y a des lendemains qu'on ne voit pas. Le lendemain, ben, elle se rend compte que, ben, il y avait un lac juste à côté d'elle. Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations dedans. De dire, ben, voilà, il y a des périodes plus noires, tu ne vois pas ce qu'il y a autour de toi. Puis, dès que ça s'éclaire, tu vois plus la beauté du monde, etc. Et c'est un peu conceptuel, en fait, hein, dedans. C'est un peu difficile à lire pour comprendre toute sa substance. En fait, moi, je pense que je suis passé à côté de plein de choses. Même en le lisant deux fois, et c'est presque une expérience un petit peu plus sensorielle, c'est presque ça, j'ai l'impression. Donc du coup, et puis selon, on va dire son écho, enfin son écho, selon son vécu, ça peut faire aussi un écho différent à chacun. Donc c'est un livre que j'ai apprécié en fait, je l'ai apprécié parce qu'il est assez déroutant, assez déstabilisant dans sa narration, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il essaye de nous faire ressentir. Mais on est clairement dans du manga d'auteur, du manga très presque underground, je ne sais pas trop si c'est le bon terme, mais là on est dans du manga pas du tout, enfin très loin des canons que l'on connaît, quoi. Donc voilà, donc c'est un manga spécial, c'est une bonne surprise pour moi, mais pareil, c'est le genre de manga que j'ai envie de prêter à des amis et d'en discuter autour, de comprendre toutes les intentions, de comprendre tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc ça c'était Ripple, pareil. Chez Glacier Bay Book. Voilà. Donc, en France, vous pouvez l'acheter chez Apoum Bapoum, si des fois ça vous intéresse. Je ne sais pas si j'ai donné envie à des personnes de lire, mais dites-moi-le en commentaire. Après, d'accord, on est dans du manga qui est clairement très, très, très différent de ce qu'on lit habituellement. Alors, on arrive au quasi dernier manga. Quasi dernier manga à lire, parce qu'après ça va aller assez vite. Il y aura un comics à la fin pour ceux que ça intéresse. Mais effectivement, Max en parle. Et on va parler de Genesis. Genesis qui est sorti chez Vega Dupuis. Puisque Max avait les trois premiers volumes de Genesis en vacances. Tu nous feras ton retour, Boris, sur F1. Il a lu les trois premiers volumes, enfin, il avait ramené les trois premiers volumes, et je me suis dit, ah, ça serait dommage de ne pas essayer. Alors, attends. Est-ce que je l'ai, Genesis, là? Ah non, je ne l'ai pas, Genesis. Ah, je pensais avoir un fichier parce que du coup, comme il m'a prêté le début, j'ai pas les livres. C'est pas grave, on va aller sur un site pour vous montrer ça.
Parce que j'ai pas les livres et tant pis. Voilà. Susei no Taiga. Alors laissez-moi un instant, je suis en train d'aller sur le site. Hop. Voilà. On va prendre le chapitre 1 et on va mettre en double page. Ah. Voilà. Alors. Donc du coup, j'ai trouvé un site où c'était pas le. C'est du Scantrad. Hein. Voilà. Hop là. Donc ça, c'est parfait. Je pourrais vous montrer comme ça dessus. Alors, Genesis. Donc comme je dis, ça, moi, c'est un manga qui, perso, me donnait pas envie. Bon. Graphiquement, c'était pas trop ma came, même si je sais que ben, ça veut rien dire et je lis des choses qui sont beaucoup plus moches aux yeux de certains. Mais j'étais pas spécialement attiré et son titre, Suicide Island, enfin Island, je sais pas, ça me tentait pas. Mais voilà, comme j'étais en vacances avec Max et qu'il avait les trois premiers, ben, j'ai mis mes préjugés de côté. Je me suis dit, ben, je suis curieux, je vais les lire, ils sont à portée de main et on tente. Donc, du coup, c'est la série là, c'est celle-ci. Ah oui, voilà. Il y a une petite bande-annonce, on va la mettre, la bande-annonce, ça peut être cool. Hop là. Voilà, il y a une bande-annonce là. Et en fait, en gros, c'est l'histoire de quatre. Non, d'un groupe de jeunes. C'est des étudiants en anthropologie qui se retrouvent lors d'une sortie enfermés dans une grotte, en fait. Et en voulant sortir de la grotte, eh bien, ils se retrouvent dans l'ère préhistorique. Tadam! Voilà, avec les animaux de l'époque, etc. Et donc, du coup, comme ils le disent, projetés dans la préhistoire, ils devront apprendre à survivre. Oui, parce que là, vous l'avez la version tronquée, mais hop là, à survivre. Incroyable. Donc, du coup, ben, ils vont découvrir la vie préhistorique, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ils vont découvrir la vie préhistorique. Parce que si je passe en plein écran, c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Et ça marche avec ça. Ouais, trop bien. Avec le clavier, c'est mieux. Alors, c'est peut-être inverser les pages. Hein. Ne regardez pas le truc. Le but, c'est surtout, vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, ils vont rapidement bah, rencontrer des humains, entre hommes de Néandertal et Homo sapiens. Et on va suivre leur aventure, leur survie. Sachant que Taiga, qui est le personnage principal, qui est lui là, il est assez timide. Hein. Il est assez timide, voilà, il trouve un peu de mal à trouver sa place dans le groupe, etc. Alors, il y a certains points qui sont pas mal, dans le sens où on se questionne un petit peu sur le sens de la vie, le but de la vie, etc. La découverte de ce monde oublié, etc. Et ça va assez vite se gâter. C'est-à-dire que les personnages, de manière générale, sont assez peu intéressants. C'est surtout Taiga qui va être développé. Les femmes sont inutiles. Soit elles pleurent, soit elles restent derrière à attendre. Voire c'est peut-être des greluches à des moments, franchement. Et du coup, elles ne servent absolument à rien. Voilà. Les personnages féminins de ces séries-là ne servent à rien, hormis une guerrière. Mais ça, on y reviendra après. Donc Taiga, lui, va découvrir une passion pour le combat. Donc là, on les voit dans les grottes quand je vais passer au chapitre d'après. On le voit arriver là à découvrir les trucs et tout. Donc Taiga va se découvrir une passion pour le combat et va se retrouver rapidement dans son élément, quoi. Et là, ben, tout ça, tout se déroule très vite. L'action, l'auteur, il saute d'un sujet à l'autre sans approfondir. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser parce que la survie est totalement bâclée. Ils passent des semaines, ils disent quelques semaines plus tard, et en fait, ok, ils se sont adaptés comme ça, ils ont trouvé un bout de rocher pour s'abriter, ça suffisait, les animaux, personne ne les attaque, ils ont trouvé deux bouts de bois pour se réchauffer, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème de carence, il n'y a pas de vêtements usés, aucun problème sur les besoins naturels, l'hygiène, on ne sait pas, c'est pas un souci, les règles des nanas, oh, ça passe tout seul, enfin, bref, la survie. Inexistante. Et en plus, il arrive, alors à un moment, il rencontre, alors, je sais plus dans quel chapitre c'est, mais je sais pas, on va avancer un petit peu.
Et à un moment, il va rencontrer une guerrière. J'aimerais bien Si t'as les livres, Max, je veux bien que tu me dises à quel chapitre c'est. Il va rencontrer une guerrière. On le voit. Ils affrontent des trucs. Alors, il va rencontrer les hommes du passé, bien sûr. Voilà. Ah merde. Si je reviens en arrière, ça. Alors, on va la voir. Voilà. Il va rencontrer une guerrière qui, bien sûr, est ultra sexualisée. Hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, elle est méga bonasse. Bien sûr, avec des formes super généreuses, aucun problème de santé, rien du tout. Voilà, rapidement, il va réussir à parler la langue. Voilà, je vais vous spoiler des trucs, hein, je vous le dis parce que là, je me passe un plaisir à faire ça. Donc, il va rapidement apprendre tous les trucs, mais il va rapidement réussir à parler avec elle. Alors, il faut dire que les dialogues sont quand même assez incroyables. J'ai pu le montrer à Max. Des fois, il y a des pages, il y a juste écrit ou, ah, ou. Voilà, c'est à peu près ça les dialogues. Et du coup, et pourtant, c'est rare que je le dise, mais c'est tellement mauvais, en fait, Genesis. Et pourtant, j'ai lu plein de livres et c'est pas souvent que je vous dis, celui-là, il est vraiment pas bien. C'est tellement mauvais, en fait, que ça en devient génial. Je sais pas si vous comprenez la logique, mais du coup. On a envie de savoir, c'est-à-dire que j'ai tout lu, c'est-à-dire que je suis allé de choper du coup le reste des scans en anglais sur internet et j'ai lu jusqu'au tome 8 ou 9, donc j'ai tout lu. Et en plus que c'est bancal, déjà, il y a des choses qui vont se passer dedans qui sont incroyables, incroyables tellement que c'est pas terrible. Il va arriver à apprivoiser un loup, donc un loup. Même s'il est bébé, mais un loup comme un animal domestique, comme un chien. Et son instinct de prédateur, il va être déjà remontré une fois, il va avoir aucun problème. L'éducation, c'était, il va rattraper la balle, quoi. Donc, ok. Mais encore mieux, il va apprivoiser un mammouth. Un mammouth, mec. Et du coup, il va même l'utiliser deux fois en ressort scénaristique. Genre le mammouth qui vient les sauver et tout, deux fois à deux volumes d'affilée. Il avait plus d'idées, en fait. Et même, voilà, c'était incroyable, incroyable les passages avec le mammouth. Et même à la fin, il arrive à se répéter, c'est-à-dire qu'en fait, les humains vont se confronter entre Homo sapiens et Néandertal, et en fait, ils se faillent dessus. Tu fais, ouais, c'est bon, ça fait 4 fois, 4 fois, 5 fois. Enfin, je sais pas, passe, fais avancer ton histoire. Et il fait avancer son histoire. Et là, on arrive vers le volume 8, qui devient encore plus incroyable, et il faut que je vous montre la couverture de ce volume 8. Alors, je vais peut-être vous montrer juste des petites planches, peut-être vers le ch chapitre 19. Comme ça, vous verrez ce que ça vaut. Voilà, vous voyez un petit peu des planches, des trucs. Donc voilà, là, ils communiquent. Voilà, en 3 secondes, ils se comprennent. Trop facile. Trop facile. Et du coup, attention les yeux. Allez, hop, là, le lien est là. Alors on va aller sur les éditions VO, édition, et quand c'est arrivé, j'ai dit c'est incroyable. Regardez qui est là. Voilà. Et là, eh ben, quand on n'a plus d'idée, qu'est-ce qu'on sort? Ben, on sort les petits larbins de Tonton H avec la petite croix rouge et le point Godwin est atteint. Et en fait, ben voilà, on fait venir à chaque fois. Les petits nazis pour ça. Et là, en fait, je me suis dit, mais ben, j'avais vu les couvertures, je me suis dit, mais ça va être un truc dans le temps. Non, non, ils viennent dans le passé. Et la seule chose qu'ils trouvent intéressante à faire, c'est graver leur petite croix sur les murs, parce que c'est le truc le plus important. Incroyable. Incroyable. Tellement, tellement que c'est nul. Ça n'est génial. En fait, je me suis régalé à lire les 8 volumes juste pour savoir jusqu'où ça pouvait aller, tellement que c'était pas bien. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre avec Genesis. Et je suis même dégoûté parce que je sais que le manga est en pause actuellement, hein, puisque c'est le même auteur qui reprend Berserk derrière, donc il est en pause. Et il n'y a
Il n'y a pas tous les chapitres qui ont été traduits en anglais, il manque encore l'équivalent de plus ou moins un volume. Et j'ai hâte que ça sorte parce que j'ai vraiment envie de savoir jusqu'au bout, parce que là où on en est, on les découvre à peine. Donc du coup, j'ai vraiment envie de savoir jusqu'où ça va parce que c'était incroyablement nul. En fait, c'est brillamment mauvais, en fait. Voilà, je pense que c'est ça, c'est brillamment mauvais. Et comme je dis, je suis pas du genre à défoncer les mangas, mais là, je le trouve bon dans sa médiocrité. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Max. C'est tellement médiocre que ça en devient bien en fait. Donc voilà, donc un manga à lire sans aucune attente, c'est un gros divertissement qui n'a aucune raison d'essayer d'être valable. Voilà, juste à regarder, à lire, à rigoler et puis on passe à autre chose. Voilà, parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que la narration elle est ultra légère, c'est-à-dire que la narration, même si là il y avait quelques cases avec du texte, c'est ça en fait, hein. C'est juste des cases avec des ou a u et des trucs comme ça. Et en fait, ça se lit en 10 minutes. Il y a rien en fait, il y a rien à lire. Donc maintenant que je sais que ce que ce monsieur fait, je suis pas très rassuré pour la suite de Berserk. Donc on verra, on verra. On va lui laisser le bénéfice du doute. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais voilà, écoute Zeno, peut-être que je te ferai économiser de l'argent, je ne sais pas. Voilà. Et donc du coup, Holy Land, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, Genesis, c'est pas terrible, terrible. Mais j'ai passé un bon moment à lire ça et à rigoler. Voilà, donc sinon, de toute façon, voilà, j'en parle. Genesis, j'ai parlé, j'ai tout lu, les 9 volumes, enfin les 8 ou 9 volumes. Et je sais à quoi m'attendre maintenant, et j'ai bien fait de ne pas acheter, parce que voilà. Sachant que. En anglais, ça s'appelle. En japonais, ça s'appelle Susei no Taiga. En anglais, je crois que c'est Taiga Genesis. Et en français, ils ont viré Taiga, ils ont juste viré Genesis. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas la légende de Taiga, c'est juste la légende. Enfin, la genèse. Voilà. Voilà. Sinon, après, en lecture, j'avais pu lire. Le 3 et le 4 de No Calling Mystery, où dedans, enfin j'ai pas lu le 4 en entier, j'attends que le 5 arrive, où dedans il y a encore un mystère sur un héritage, très 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 cool à lire encore. Donc les huis clos qui valent toujours le coup, je passe pas plus de temps dessus, mais franchement, Don't Call It, très très bonne série, ne passez pas à côté. Et puis c'est très cool de les lire au fur et à mesure, si vous les lisez d'un bloc, je pense que vous allez saturer. Et sinon, en achat, ce mois-ci, ça a été très très calme. Parce que j'ai juste acheté le Phoenix en Delcourt. Donc, dedans, vous avez deux super histoires hein, qui, pour moi, sont le meilleur de Phoenix, clairement. Le premier volume, c'est le meilleur de Phoenix. Les autres histoires sont aussi très cool, mais là, je trouve que c'est quand même le meilleur. Et à la fin, vous avez un super dossier, très long dossier, de Xavier Hébert, normalement, enfin, de plusieurs personnes. Et en fait, c'est super intéressant, on apprend plein plein de choses dedans. Et il y a même des extraits où en fait, on nous parle d'une scène, on nous la montre et on nous parle des fois du magazine, des différences, etc. C'est très cool à lire parce que du coup, on voit les différences et tout derrière. Et il y a des frontispices, voilà, en plus. Donc voilà, donc ça, c'est, je passe pas plus de temps. J'ai aussi reçu, mais je ne les ai pas déballés. J'ai juste déballé pour vérifier leur état, mais j'ai pas enlevé le papier bulle autour. Mais j'ai enfin reçu mes Wonder Tree et mes Captain Ken. Mais ils sont dans un carton bien emballé et je les déballerai pour la prochaine fois, le mois prochain. Voilà, comme ça, parce que là, j'allais pas les ressortir pour les rentrer. Je les ai vraiment sortis pour regarder s'ils n'avaient pas eu de choc pendant le transport. Mais j'ai même pas enlevé le papier bulle, en fait. J'ai juste regardé comme ça et remis. Mais je les ai reçus, donc j'ai reçu du Tezuka. Avec mon pack super fan. Voilà. Le dernier truc, c'est un comics. Pour ceux qui ont encore 5 minutes, je sais qu'il y en a qui aiment bien, je parle de comics, de ce que j'ai lu. Donc du coup, je vais pouvoir en parler rapidement. Mais en tout cas, sur la partie manga, c'est terminé pour ce soir. Ça en tout cas c'était cool, j'espère que ça vous a plu.
Non, le dossier est très cool hein, de Phoenix. Hein. Franchement, je l'ai lu. Ça fait du bien parce que les dossiers qu'il y a à la fin des mangas édités par Issan sont vraiment super. Là-dessus, il y a un vrai travail éditorial de la part de Issan de faire ces dossiers. Et Delcourt a fait exactement la même chose avec la même personne qui fait les dossiers pour Issan. Donc voilà, donc ils ont dû voir le travail d'Issan. Ils ont fait hey, c'est pas bête si on faisait pareil. Donc voilà, donc du coup, ils l'ont fait pour Phoenix et ça valait le coup d'attendre. J'ai appris plein de trucs dans le dossier ou des trucs que je savais mais j'avais pas confirmation et là au moins voilà, je le savais. Enfin là j'ai eu confirmation des trucs et j'ai appris des choses donc c'était très 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 cool. Voilà pour ça. Et après le dernier truc ça va être un comics pour terminer. Et ce comics, alors, hop là, je vous le montre. On va aller peut-être au tout début. Alors, juste un instant. Non, c'est pas ici. Alors, c'est un comics qui est très connu, mais que je n'avais jamais eu l'occasion de lire, et qui s'appelle V. Pour Vendetta. Et du coup, voilà, qui a lu ce comics? Donc, on m'a prêté l'édition physique. C'est Poppy qui me l'avait prêté. Donc là, j'ai chopé une version pour vous montrer les images. Et du coup, j'avais déjà pu en parler avec lui. Hein, donc, du coup, il connaît. Et je vois qu'il écoute Poppy, là. Il écoute. Donc, du coup, j'ai lu V de Vendetta. Voilà, j'ai lu V de Vendetta. Donc toujours dans ma découverte du comics, hein, je dirais. Et c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc ça se passe vraiment dans comment dire, un Londres hein, qui est une Angleterre qui est contrôlée par le fascisme, hein, qui contrôle toutes tes vies, bien sûr. Et la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de bien te tenir. Voilà. Parce que si tu fais la moindre grève, le moindre truc, etc., bah, tu te fais défoncer par la police. Je ne ferai pas de lien avec chez nous. Mais du coup, V, dans tout ça, bah, lui, tout ce qu'il souhaite, bah, c'est faire tomber tout ça et apporter l'anarchie. Alors, j'ai pas lu le film, donc ça, je ne sais pas. Et donc, c'est-à-dire, en fait, c'est un système sans maître, hein, tout simplement. C'est pas juste le bordel, c'est juste l'anarchie, c'est un système sans maître. Donc V, c'est pas un super-héros. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui frappe ra rapidement. Et c'est ça qui est plutôt cool, en fait. C'est-à-dire que ses techniques et les méthodes qu'il utilise, elles sont clairement discutables. Voilà, on ne peut pas dire qu'il utilise des méthodes juste entre guillemets. C'est clairement un terroriste et un tortionnaire. Donc voilà, il utilise vraiment des moyens forts pour arriver à ses fins et ses fins de justice, pour justement libérer le peuple, libérer les gens. Pour qu'ils puissent comprendre que là, ils sont totalement matrixés par le système. Donc, on est de loin avec l'image du super-héros qui va sauver la veuve et l'orphelin, hein, clairement. Il y a certains actes en fait qu'il va faire. On se dit qu'il se bat pour son idéal, mais on se dit, enfin, voilà quoi. Ce que tu fais, c'est pas cool quoi. Même si c'est des méchants quoi. Et il y a ce côté avec le masque en fait qui est très très symbolique parce qu'en fait. Derrière, il y a vraiment ce côté où tout le monde peut être V. Il n'y a pas besoin d'un leader. N'importe qui peut être V. Et c'est d'ailleurs utilisé pendant le récit. Et en fait, à chaque chapitre, en fait, l'œuvre, elle va justement faire découvrir le fonctionnement de ce système. Hein, un système qui est très, très, très déshumanisé. Hein, puisqu'on va avoir la voix, on va avoir la main, on va avoir l'oreille de mémoire. On va avoir des choses comme ça, donc vraiment des fonctionnalités très précises, mais totalement des gens qui ont un poste précis, qui ne connaissent pas les rouages qu'il y a autour, mais qui permettent bout à bout de faire fonctionner tout ce système d'oppression et de surveillance sans ben, connaître justement le commanditaire de tout ça et les répercussions qu'il y a. Puisqu'au final, chacun pense faire son job sans penser à l'impact qu'il y a. Et la dernière fois, je vous avais lu Traité comme une bête, qui est un manga coréen.
Et justement, on retrouve ce côté-là dedans. Je vous invite à revoir la critique que j'avais fait lors d'un dernier live. Et c'est exactement la même chose, sauf que traité comme une bête, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Là, on reste encore dans de la fiction. Et donc, du coup, c'est ça qui était encore plus choquant pour moi, parce que j'avais lu traité comme une bête juste avant de lire V. Et là, c'est donc y a la réalité là qui rencontre la fiction, c'est pas la fiction qui rencontre la réalité. Et bien on se dit, ben, du coup, c'est encore plus crédible, parce que quand on le lit, on peut dire, oui, bon, système abusif, machin et tout. Mais quand on a lu traité comme une bête juste avant et on sait que c'est une histoire vraie du truc, et bien quand je lis V là juste après, ça n'a pas du tout le même impact en fait. Et du coup, je me dis, ouais, ok, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est réelle en fait, qui peut exister. Et donc l'œuvre, elle est vraiment axée là-dessus, c'est-à-dire qu'elle est axée sur dire que la liberté qu'ont les gens aujourd'hui, ben, c'est une vision dans une cage en fait, et qu'ils n'arrivent plus à voir plus loin que ce qu'on leur a donné en fait. Et dans leur tête, c'est tellement normal qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'il y a autre chose et qu'il faut les libérer de tout ça. Et donc c'est ça qui est important, parce que c'est une œuvre en fait qui met en garde en fait, qui est aussi un appel à jamais baisser les bras, de toujours se battre pour la liberté. Et ça s'applique à nous tous, même nous là qui vivons en France, on l'a vu avec tous les événements qui s'est passé ces dernières années, avec justement une force policière de plus en plus présente, etc. Eh ben, c'est bête, mais c'est très proche en fait de V en fait. Et donc c'est ça qu'il faut que ce manga comics essaye de dire, c'est qu'il faut il faut faut pas comment dire, il faut pas baisser les bras, il faut garder cette force de toujours se rebeller et de pas se laisser marcher dessus, parce qu'en fait on nous marchera toujours dessus quoi. Et donc un autre point qui m'avait beaucoup touché aussi dans ce dedans, ben, c'était l'ambiance assez particulière comme vous pouvez le voir. C'est très noir, les couleurs elles sont très fades, très ternes, elles sont presque mortes en fait les couleurs. Au début j'avais un peu de mal, je dis putain ça fait un peu bizarre de lire, ça fait très très vieux en fait, on dirait du comics un peu des années 50, tu vois. Et en fait, ben, ça rajoute en fait une ambiance particulière qui marche très bien avec ce côté justement, ben, tout est terne, tout est mort en fait, et il faut réveiller tout ça en fait. Et voilà, sinon c'est aussi c'est très verbeux, ça parle beaucoup, mais c'est très poétique. Je trouvais que le texte n'était pas en trop. Je trouvais que quand on le lit, c'est pas du texte qui est inutile, c'est pas du remplissage. Et c'est ça qui était super. Il y a beaucoup de sermons, il y a beaucoup de textes en rime. Je trouve que l'adaptation qui a été faite est vraiment, vraiment géniale. J'avais l'impression par moment de lire un petit peu en rythme les phrases. Et ça se ressentait dans la traduction. On sent qu'il y a eu vraiment un effort conséquent sur la traduction. Et je l'ai trouvé vraiment super. Et c'est très beau, c'est très lyrique à lire. Il y a les très belles planches. À un moment, il y a toute une partition de musique, tout. Enfin, c'est super, super joli. On sent que l'auteur, il a vraiment l'art de l'écriture, et c'est vraiment super. Par contre, l'édition que j'ai eue, c'était une édition grand format. Alors, je l'ai plus en main. C'est qui fait ça déjà? Laissez-moi regarder. Ah, c'est Urban Comics. Donc, c'était une grande édition, voilà, en noir, comme ça. Et je trouvais que l'édition, elle était, mais ultra rigide. Mais c'est pas Vertigo, toi, que tu as pour l'édition. Elle était, mais ultra rigide. Elle n'était pas du tout agréable à lire. En plus, le papier, je le trouvais très baveux. Enfin. J'avais l'impression que c'était limite du papier un peu buvard, j'exagère, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu du papier buvard. Je trouvais que le papier n'était pas de qualité. Ça manquait de qualité. Et j'ai franchement, à un moment, j'aurais dû en fait choper une version numérique et le lire sur la tablette 13 pouces. J'aurais peut-être plus apprécié encore ma lecture, parce que je trouvais que ce livre-là, il n'était clairement pas agréable, quoi. C'était du hardcover, il se disait luxueux, mais je trouvais qu'il n'était pas terrible. Je ne connais pas trop Urban Comics, donc je ne sais pas si c'est leur habitude ou pas, mais en tout cas, c'est mon impression que j'ai eue. C'est le seul point négatif que j'avais, c'était l'édition en fait, parce que l'histoire est vraiment, vraiment super. Donc V pour moi, c'était vraiment une excellente surprise.
Moi, je suis très content de l'avoir lu. Merci Poppy de l'avoir fait découvrir. Donc voilà, donc ça fait, c'est regroupé sur un gros gros one shot. Donc ne passez pas à côté si vous l'avez si vous l'avez jamais lu. C'est vraiment super quoi. Voilà, je n'ai pas plus à dire. J'ai déjà beaucoup dit sur V. Donc voilà le truc. Donc je sais qu'après, il y a, oui, tu mentionnes Watchmen. Je pense qu'il y a ça à lire, mais je crois que Poppy là. Je crois que tu l'as, hein, Poppy. Donc tu pourras me le prêter si là, sinon je me débrouillerai pour le lire. Mais voilà, donc du coup, c'était ma lecture comics. Alors après, j'avais lu d'autres trucs, comme L'Entaille. Mais j'ai plus le, j'ai pas le. Hop là. Attends. Voilà, L'Entaille qui est sorti chez Cornelius. Voilà, ici, je sais pas s'il y a des. Voir l'extrait. Cool, là, il y a un extrait, c'est parfait. Et ça marche. Il y a un. Non, ça marche. Bon. Donc, j'avais eu L'Entaille. L'Entailleux, et pas L'Entaille. Oui, parce qu'il se moque de moi, Max, je le dis mal. J'avais lu L'Entaille. Et L'Entaille qui. Alors j'ai pas pris beaucoup de notes là, je l'ai lu pendant les vacances, mais qui raconte en gros l'histoire d'un. Ah merde, je vous montre pas les images. Voilà, alors c'est celui-ci. Voilà, L'Entaille. Qui. En gros, il y a un tueur, en fait, avec. Avec une batte de baseball qui va tuer des jeunes filles, qui se passe dans une ville un peu isolée. Et en fait, on va suivre un garçon qui a des rêves là, de meurtre, et une jeune fille et qui est dans une famille à problème. Honnêtement, j'ai trouvé le livre intéressant, assez bien, mais on reste sur une fin qui est. Qui m'a, enfin, ça m'a laissé un peu sur ma faim. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur lesquelles ce n'est pas répondu, ou du moins, il y a des éléments qui ne sont pas assez clairs. On ne sait pas trop si ce mec à la batte c'est une représentation physique de quelqu'un, etc. C'est très joli, c'est très prometteur pour la suite, mais pour le moment, du coup, j'ai fini le livre et j'ai fait, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait encore un chapitre ou il manquait des éléments pour conclure ça de manière compréhensible. Donc voilà, donc j'ai pas pris de notes pour ça, donc j'ai pas plus à dire. Et après j'ai lu. Ah, c'est celui-là, attendez, je vais vous l'ouvrir. Il est où? Il n'est pas là, donc il doit être là. Voilà. Alors. Voilà, Scudmon Island. Très très cool comme, comme BD. Qui reprend un roman où en fait on va avoir un gamin qui. Que son père force un petit peu à le rejoindre parce que son père a décidé de vivre. Isolé pendant quelques temps, se mettre en, comment dire, vie proche de la nature. Et en fait, ça va mal avec sa femme et tout ça. Et en fait, le gamin va un peu subir les violences psychologiques de son père, entre guillemets. C'est-à-dire, comme il est totalement instable, son père, et qu'ils vont se retrouver totalement isolés de cette île ou ce lac. Eh ben, du coup, le gamin, il subit le père. On le voit pleurer la nuit, le père, etc. Et alors, je ne vais pas trop dévoiler parce qu'il y a des rebondissements dans l'œuvre et tout. Et on va suivre justement l'histoire de ces deux personnages. Le gamin qui essaye de supporter tout ça. Et il va se passer au moment quelque chose qui m'a vraiment surpris dans le récit. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Notamment sa fin. J'ai beaucoup aimé la fin telle que ça termine. Et qui va assez loin dans le propos. Donc, quand je l'ai lu au début, j'étais bon, ok. Et puis bon,
Ah oui, ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça. Et on suit les événements après, et on se dit, ah oui, d'accord, ok, jusqu'à une fin qui était vraiment, vraiment très cool. Je ne montre pas plus d'images parce que je ne veux pas spoiler plus. Mais voilà, je ne dis pas plus sur sur ça parce qu'après, en parler, il faut vraiment parler des événements à l'intérieur. Mais c'était une lecture qui était vraiment très agréable et très surprenante. Donc je vous conseille cette BD. Suk One Island. Donc voilà, comment dire, je détaille pas plus parce que autant en V, j'avais vraiment pris le temps de détailler, etc. Et je voulais, comment dire, je voulais vraiment rentrer dans le détail. Autant pour celle-là, bon, déjà, j'ai pas eu non plus le temps de vraiment aller plus dans le détail, mais j'avais pas plus à dire non plus dessus. Voilà, je ne sais pas. Tout ce qui est description BD, j'ai pas encore autant sur les mangas ça va, je l'ai, mais sur les BD, pour l'instant je suis encore en phase de découverte, donc c'est plus des intentions que je donne, si j'ai aimé, pas aimé, etc., qu'autre chose. En tout cas, V j'ai adoré, Lantai c'était bien, mais je suis resté un peu sur ma faim, et Suk One Island j'ai vraiment aimé, c'était très très cool à lire. Voilà, donc ça c'est, j'ai tout. Oui, voilà, surtout qu'il faut rien dire sur celle-ci, hein, sur la dernière. C'est pour ça que je suis vraiment resté sur le truc de tout début, avec le gamin qui va vivre donc isolé là-dessus. Et c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est une genre de série. Ah, ça s'arrête là, découvrez-le. C'est plutôt ça. Donc là, c'est tout ce que j'ai lu. Alors il faut savoir aussi que en vérité, j'ai lu d'autres livres, mais je vous parlerai plus tard. Parce que Max avait les premiers Baki. Et là, je suis en train de m'enchaîner sur la série entière, la première saison. Et avait aussi les Kengan d'Ashura, auxquels j'avais pu lire 4 volumes. J'aimerais bien les continuer pour donner un avis plus précis. Donc peut-être le mois prochain, j'en parlerai. Mais là, on avait déjà un gros, gros programme, puisqu'on a déjà dépassé l'heure depuis longtemps. Donc le mois prochain, on en parlera très certainement un peu plus de ce côté-là. Mais là, ce soir, je me suis dit. On va pas en parler, il y avait déjà beaucoup de lectures, vous l'avez vu. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de lectures, avec des monuments comme Genesis. Donc du coup, je me sentais obligé de prioriser des séries comme ça. Hein, vous comprenez? Donc voilà, on arrive à la fin. Donc c'est cool. Là, je vous êtes une vingtaine. On était un petit peu moins nombreux que d'habitude. Mais les meilleurs étaient là. C'est ça qu'il faut retenir. Hein, c'est ça le plus important. En tout cas, merci d'avoir suivi. Il y a, alors pour rappel, voilà, c'est super cool, merci Max de partager. Vous pouvez déjà retrouver tous mes liens parce que je suis aussi sur l'internet mondial. Hein, avec le Linktree, vous avez mon Twitter, vous avez tout dessus. Hop là, je vais le partager, coller. Hop là. Vous avez tout dessus. Vous pouvez me rejoindre un petit peu de partout. Et pour soutenir la chaîne sur le Patreon avec des vidéos exclusives, avec des vidéos en avant-première, avec des sources, avec voilà, une possibilité de me parler aussi en direct et tout. Et du coup, n'hésitez pas à soutenir ou en passant par les liens de la chaîne. C'est des petites aides qui, mis bout à bout, me permettra d'acheter un peu de matos, améliorer les lives. Etc. etc. Ben, j'espère qu'en tout cas, ce soir, ça vous a plu. Voilà, donc je vois que vous avez été beaucoup dans l'écoute en deuxième partie de soirée, mais j'espère que les mangas proposés vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour ceux qui regardent le replay ou même là ce soir là. Donc voilà, c'est important d'avoir les retours. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent pour ce soir. Je fais tout pour rester avec les lives malgré le déménagement et tout. Donc du coup, on se revoit nous le 21 si je ne me trompe pas. De toute façon, j'ai mis la date là sur le truc de fin. On va se retrouver nous le 21. Et si vous souscrivez sur le Patreon d'ici le 15, vous aurez votre nom dans les prochaines vidéos. Donc voilà. Pas la prochaine là qui sort, mais la suivante. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit. Je vous souhaite donc une bonne reprise pour.
Voilà ceux qui ont repris. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour le live. Sinon, dès la semaine prochaine pour la prochaine vidéo que j'ai tournée durant le mois d'août. À très bientôt. Merci à tous pour vos messages. C'est super gentil. À bientôt. Ciao, ciao.